mademoiselles, messieurs, bonjour. Le Parc des Princes aujourd'hui pour un nouveau match de football. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, nous étions au Stade Vélodrome de Marseille pour le match au sommet du championnat, Marseille-PSG. Le vainqueur, vous le savez, Marseille, qui aujourd'hui a 2 points d'avance sur PSG. Et PSG, donc, qui se doit de gagner ses 3 derniers matchs pour garder une chance de revenir sur l'OM. Face à PSG aujourd'hui, Laval dont la situation est fondamentalement différente, puisque Laval est en ce moment barragiste et que c'est pour leur survie que les Mayennais sont venus aujourd'hui. À mes côtés, pour vivre cette rencontre, non pas Michel Denisot qui est au Festival de Cannes, mais Daniel Echter qui retrouve le Parc. Bon, ça c'est un stade que vous aimez bien, je présume. Et puis venu voir aussi jouer sans doute Laval, car Laval, c'est un des adversaires privilégiés de votre Strasbourg. Ah oui, parce qu'évidemment nous sommes au coude à coude avec Laval, on a 1 point d'avance sur eux et bon, on sait qu'on ne peut compter que sur nous pour nous maintenir en première division cette première année, et cela étant, il faut aussi jouer avec les équipes adverses et concurrentes. Cela étant, Paris Saint-Germain est quand même le club que j'ai créé, et je viens quand même pour voir gagner le Paris Saint-Germain. D'accord, et de ce Paris Saint-Germain que vous avez créé, on reparlera tout à l'heure, car à la mi-temps, on reverra un reportage sur le PSG de cette époque, le PSG qui montait de Division 2. Vous savez que cette semaine, on a beaucoup parlé football, et des gens très importants, puisque le ministre lui-même a parlé football. C'était hier, petit retour donc sur la conférence de presse donnée par Roger Bambuc, avec à ses côtés Jean Fournet-Fayard et Jean Sadoul, annonçant des mesures. Regardez, c'était hier. Je mets auprès de moi une mission à qui je vais confier le soin de travailler avec la fédération et de faire un certain nombre de propositions concrètes pour que le football et l'équipe de France puissent retrouver son classement, son rang dans le football mondial, football européen également. Les noms des personnalités qui formeront cette mission seront connus mardi. On parle de Platini, de Gires, d'Hidalgo, de Vautreau ou encore d'André Delhélis. Ces personnalités devront étudier les 6 mesures d'urgence présentées par le ministre lors de sa conférence de presse. Premièrement, renforcement de l'autorité de la fédération sur l'ensemble du football, y compris donc sur la Ligue nationale, surtout le football professionnel. Deuxièmement, transparence de la gestion avec implication des collectivités locales et une responsabilisation des dirigeants. Troisièmement, restriction des masses salariales, comment, quand un groupe de travail va se mettre en place. Quatrièmement, allègement du calendrier avec la présence de 18 clubs en première division en 90-91 et suppression des matchs aller-retour en Coupe de France. Cinquièmement, protection de l'équipe de France et de la formation dans un délai très court. Sur chaque feuille de match devraient figurer 9 joueurs sélectionnables, dont 7 issus des centres de formation. Sixièmement, évolution des centres de formation avec une ouverture plus grande sur la société. Roger Bambuc a aussi précisé qu'il n'avait jamais été question de démettre Jean Fournet-Fayard et Jean Sadoul. Ces deux hommes ont été élus par leur père et ils l'ont été pour 4 ans. Il ne m'appartient pas, il n'appartient à personne d'entre nous, de pouvoir mettre en cause leur élection ni leur mandat. Voilà, et développement aujourd'hui de cette affaire avec le conseil d'administration de la Ligue nationale, c'est-à-dire le sommet des clubs professionnels, qui a décidé, qui a donné son consensus sur ces mesures d'urgence, qui s'est engagé à tout mettre en œuvre pour qu'elles soient appliquées. Mais n'oublions tout de même pas que pour qu'elles soient appliquées, il faut que l'Assemblée générale des clubs professionnels, puis l'Assemblée fédérale, c'est-à-dire de l'Assemblée générale de la Fédération française, approuve ces mesures. On n'est donc encore pas tout à fait à la Division 1 à 18 clubs, la saison, non pas la saison prochaine de toute façon, mais la saison suivante. Daniel Echter, président du Racing Club de Strasbourg, comment accueillez-vous ces 48 heures hein, qui viennent de se passer? Je trouve qu'il ne s'est pas passé grand-chose, que les propositions sont ce qu'elles sont, mais je crois qu'on cache une fois de plus les vrais problèmes. Je suis étonné qu'aucun président de club n'ait été jusqu'à présent consulté. C'est quand même nous qui gérons les clubs. Les problèmes, nous les avons et nous les connaissons mieux que ceux qui ne les gèrent pas.
Personnellement, je crois aussi qu'au niveau de l'inflation, les salaires, il y a des remèdes. Enfin, moi, j'en ai en tout cas. Et je pense que, bon, ça ne va pas changer grand-chose en définitive. Et quant à remettre à 18 clubs le club de première division, je rappellerai simplement que les Anglais sont 20 ou 22. Ils viennent de passer à 22. Qu'ils ont la coupe, c'est vrai, à un tour, parce que deux tours, c'est trop. Et c'est plus l'esprit de la coupe, donc il est temps d'y revenir. Mais qu'ils ont aussi la coupe de la Ligue. Je crois que les footballeurs sont faits pour jouer au football. Et je pense que 40 et quelques matchs dans la saison, c'est pas énorme. D'ailleurs, en plus de ça, c'est un manque à gagner pour les clubs, car deux matchs de moins à domicile, c'est des recettes en moins. Alors ça, je pense que tout ça fait que pour moi, on est à côté des vraies solutions. Voilà, mais l'important aussi, c'est que ces matchs, qu'ils soient 40 ou 36, c'est qu'ils soient de bonne qualité. Et on espère que celui-ci, que nous allons voir dans quelques minutes, sera de bonne qualité. On tourne une page de pub et on se retrouve au parc. En ce moment, et tout à l'heure, le voilà. D'ailleurs, Joël, qui est en train de finir son échauffement. Demain, il y aura 18 autres gardiens qui seront à l'échauffement. L'occasion pour nous, donc, de découvrir ce qui va se passer demain sur les terrains de première et de deuxième division, la grille du loto sportif, les duels de demain, préparés par Philippe Doucet. Un match sans enjeu pour les deux équipes, mais pas pour tous les joueurs en vue d'éventuels transferts. Vujovic, Zlatko à Cannes et Kastendeutsch à Metz. Un grand classique du championnat et un duel de joueurs physiques entre Wea et Sénac. La survie de Caen en Division 1 passe par divers. Lens et son buteur Udjani connaissent eux leur sort. Bell a une revanche à prendre après l'élimination de la Coupe face à Marseille où Alofs lui avait marqué un but décisif. Match important pour les deux équipes et les jeunes Guerrero à Auxerre et Guérin au Matra. Le gardien lillois Lama met de plus en plus souvent des gants. Il en aura besoin face à Reichert et aux Strasbourgeois, enfin sortis des trois dernières places. Deux hommes de talent, deux hommes proches de la retraite, Rocheteau à Toulouse et Mila qui a lui déjà annoncé qu'il arrêtait dès cette année. Sa place pour l'instant européenne, Sochaux la doit en partie à son demi-gauche Thomas. À Saint-Étienne, Fournier joue un rôle équivalent sur la droite du milieu de terrain. Deux clubs qui ont longtemps cru à l'Europe avec deux gardiens qui n'étaient pas titulaires en début de saison, Marot et Pifteau. Le dernier espoir de montée directe de Brest passe par la réussite de Binic face au gardien Schutt et par une erreur de parcours de Mulhouse. La Roche-sur-Yon et le frère Bossis jouent leur place en Division 2 face à une défense de Guingamp pas toujours sereine. Match de prestige où Nîmes doit assurer sa deuxième place avec Ménade. De l'autre côté, Domenech a déjà savouré la montée en D1. Istres et Niort n'ont plus peur de descendre, alors un duel de tireurs de loin, Mahmoud à Istres et Pesselon à Niort. Voilà le parc qui n'est pas encore totalement plein, mais qui espère vibrer tout à l'heure avec, par exemple, Gabi Calderon. Gabi Calderon, c'est une des stars de ce PSG actuellement, donc deuxième à la poursuite de Marseille. Gabi Calderon et surtout ses coups francs, un reportage de Thierry Dujon. 5 buts de Calderon cette saison en championnat, dont 2 coups francs sur lesquels l'Argentin, comme toujours, s'était décalé par rapport au ballon jusqu'à se placer parallèle à la ligne de but. Le mieux, c'était placé pour moi bien sur le côté du ballon pour avoir la possibilité de frapper au poteau du gardien ou sur le mur. Et comme ça, le gardien n'est pas sûr où va aller le ballon et comme ça, il ne peut pas attaquer le ballon avant. Et j'ai la possibilité, s'il n'attaque pas le ballon, de le mettre sur le mur. Et s'il l'attaque, je peux frapper sur son poteau. Exemple ici, Robin Huck, le gardien de Toulouse, ne sait pas où va arriver la balle. Il n'anticipe pas. Calderon, lui, lobe le mur, imparable. Petite précision technique, l'Argentin ne frappe pas toujours de la même manière. Pour frapper sur le mur, il faut mettre les pieds un peu plus bas du ballon, dessus du ballon.
pour le élever et après il doit descendre sur, derrière le mur. Quand c'est sur le poteau du gardien, le pied c'est plus plein sur le ballon parce qu'il presque il va tout droit. Le plus important pour le tireur, c'est d'allier la puissance et la précision. Parce que la précision sans la puissance, ça sert à rien. Le gardien a le temps d'arriver sur le ballon. Et c'est ce qui fait la force de Gabriel, c'est que ses tirs sont puissants et précis en même temps. Il faut pratiquer beaucoup parce que pendant les matchs, tu as un coup franc ou deux coups francs et tu ne peux pas le répéter. C'est pour ça qu'il faut pratiquer pendant la semaine beaucoup, comme je fais, pour réussir les samedis. Cette année, j'ai marqué deux buts, j'ai frappé trois poteaux. Que c'est bien pour rapport à les coups francs que j'ai eu en bonne position pour moi. Non? Mais normalement, pour marquer, tu dois avoir plus de possibilités, plus souvent tous les matchs pour avoir plus de confiance. Voilà, Gabi Calderón qui rentre au vestiaire. Et bien à Séville, dans la saison 85-86, il avait marqué 18 buts avec le Betis. Et sur ces 18 buts, 12 avaient été marqués sur coup franc. Voilà, il est l'heure maintenant de découvrir la composition des deux équipes. Celle de PSG, vous la connaissez certainement très bien. Celle de Laval, sans doute un peu moins, car on ne les a pas encore vues cette année sur Canal. Alors, la composition des équipes. Dans l'équipe de PSG, Joël Batz est bien sûr dans les buts et vous verrez qu'il n'y a qu'un seul changement, c'est la rentrée en défense de Janol. Pidorget est libéraux, Charbonnier joue sur le côté droit, c'est Paul Agnoc qui a fait les frais de la rentrée de Janol. Dreossi et Janol les deux stoppers, Tanasi latéral gauche, Omar Sen l'autre défenseur central et puis les artistes. Calderón est sur le côté droit, Safet Suzik est dans l'axe, Christian Pérez est à gauche. Et Daniel Zverev, qui n'a toujours pas re-signé au PSG, est au centre de l'attaque. Paul Agnoc se retrouve donc sur le banc, non pas avec Rico, car vous savez, mais avec Simba. Vous savez que Ivic cache jusqu'au dernier moment les remplaçants. Et bien là, c'est Paul Agnoc et Simba. En face, donc, l'équipe du Stade Lavallois, qui se bat pour ne pas descendre en deuxième division, a donc dans ses buts Pascal Rousseau, malgré sa douleur au genou. Le libéro, c'est un jeune que vous ne connaissez à coup sûr pas, Franck Leboeuf. Deux stoppers, Rezeau, champion d'Europe espoir, et Aubame, préféré au dernier moment à Miton. Deux demi-défensifs, Pouliken, qui marquera certainement Suzik, et Grosbois. Trois autres milieux, Lambert sur le flanc droit, Sekana qui viendra sans doute dans la zone de jeu de Marsen, mais ça doit être une des petites farces de l'Humilinaire, Morgant à gauche et en attaque, Oman Bik, un avant-centre africain capable des plus jolis coups, et François Brisson, remplaçant Miton, c'est la première fois de sa vie, et Pérez, lui, il n'est pas mécontent d'être remplaçant car c'est un jeune qui n'a encore joué que 6 fois en première division. Arbitre Monsieur Delmer, qu'on a vu souvent sur Canal+, qui avait même fait les débuts de Canal+, en 1984. Pascal Rousseau, le PSG en tête du championnat, qui doit absolument gagner ce soir, donc qui va jouer très offensif probablement. Quel genre de soirée vous attendez-vous à passer? Je ne sais pas s'ils vont jouer très offensif, puisque ce n'est pas dans leur habitude, mais il y aura une soirée comme un match à l'extérieur, où je risque d'avoir un petit peu plus de ballon que d'habitude. Mais sinon, j'espère malgré tout être assez serein, puis qu'on passe une soirée tranquille, ça serait mieux pour nous. Des joueurs que vous craignez particulièrement? Toute l'équipe est à craindre. Il est bien évident que les joueurs comme Safet Suzik ou Daniel Zverev ou le petit Pérez sont des joueurs plus dangereux. Mais vous savez, quand on est premier du championnat ou même deuxième, comme le Paris Saint-Germain, tout le monde est à craindre. Et effectivement, Pascal Rousseau peut nous offrir, comme il sait le faire souvent, un festival dans les buts. Pascal Rousseau, dont on dit, du côté de Robert Budzinski par exemple, qu'il pourrait être au FC Nantes la saison prochaine. On parle déjà renfort à Strasbourg, dont on attend la fin de la saison? Non, parce que jusqu'à présent, il y a un joueur qui a signé, c'est Rolf. Bon, c'est vrai qu'on est en contact, qu'on parle beaucoup, mais l'équipe a annoncé, ou je crois les derniers de la DAS aujourd'hui ont annoncé qu'on avait déjà recruté, qu'il y a tous un joueur. Non. C'est pas fait. C'est pas encore fini. Jean-Marc Pidorget, le plus ancien, avec Tanasi du PSG, Joël Batz qui fait une nouvelle saison merveilleuse. Omar Sen, ancien joueur de Laval, ancien avant-centre de Laval. Il faisait partie de la filière africaine de Laval.
Sen, Hume, Obam qui joue aujourd'hui, Oman Biik qui joue aussi aujourd'hui, filière qui suivait la filière allemande où il y avait autrefois Costédé et Uwe Krause. Et les voilà, Brisson. Brisson, ancien joueur de PSG. À une époque où vous étiez encore parisien, Daniel ? Ah, c'est moi qui l'ai fait rentrer au centre de formation. Je pensais bien quelque chose comme ça. Oumar Sen. Oumar Sen qui, comme ses coéquipiers, avait été abattu, avait fini hébété le match au stade Vélodrome par ce coup de tonnerre de Sauzet à la 97e minute. Et quelques poussières. Brisson, Rousseau, vous allez découvrir des jeunes. Derrière, là, c'est Roseau. Vous le connaissez, il était en équipe de France Espoir. Voilà, Grosbois. Celui-là, vous ne le connaissez sans doute pas bien. Il vient d'Angers. 5 années en D2, le voilà en D1. Quelle concentration pour la plupart de ces jeunes gens. C'est la première fois qu'ils viennent au Parc des Princes. Regardez Obam, qui ressemble un peu à Michael Jackson. Lui joue stopper ce soir. Il a laissé mi-temps sur la touche. Voilà Oman Biik, voilà Sekana. Voilà Le Boeuf, le jeune libéro. Et Poulikan qui va marquer Suzic. L'équipe de Laval qui, partout où elle passe, draine un flot de sympathie et qui, au début de chaque saison, est annoncée en deuxième division et est toujours là. Mais, aujourd'hui, elle est donc en position de barragiste, c'est-à-dire 18e, ce qui ne lui était pas arrivé depuis fort, fort longtemps. L'année dernière, 14e, l'année d'avant, 9e, l'année d'avant, 11e, l'année d'avant, 10e, l'année d'avant, 11e et l'année d'avant, Coupe d'Europe. Avec, souvenez-vous, personne n'a oublié, élimination du Dynamo Kiev par le Stade Lavallois. Où joue Strasbourg demain? On l'a vu déjà, à Lille. À Lille. C'est-à-dire que vous êtes sur la route, Daniel. Là. Vous êtes en train de remonter vers Lille. Ça vous fait quelque chose de revoir le PSG? Bah toujours, oui. Oui. Ça, c'est une plaie qui ne se refermera pas. Non, la plaie est fermée. Mais la cicatrice restera. PSG qui jouera donc à gauche, le Stade Lavallois qui jouera à droite. Match capital pour le PSG, car même si Marseille a un problème, un calendrier difficile avec deux déplacements à Toulon et à Montpellier, PSG se doit absolument de gagner ces trois matchs. Et là, il va y avoir une minute de silence à la mémoire du président des supporters de Paris Saint-Germain, M. Le Tellier, qui avait 80, qui venait de dépasser 80 ans et qui est décédé hier et qui était une des figures du club. Silence qui est accompagné également par le port d'un brassard noir par les joueurs de PSG. 83 ans également, exactement, Maurice Letellier. Je vous rappelle que si vous avez un Minitel, vous pouvez poser une question. Et cette fois-ci, celui dont la question sera sélectionnée et posée en direct à la fin du match recevra un appareil photo haut de gamme, a précisé Lucien Dabila qui s'occupe de cette affaire. Pérez en position d'ailier gauche où il n'était pas souvent face à Marseille. Roseau. Et interception d'Oumar Sen. Franck Tanasi. Il va aller rechercher Pilorget loin derrière lui. Puelbats encore plus loin. Dré aussi donc un des deux stoppeurs. Qui comme toujours va chercher Daniel Zverev loin devant à droite. Zverev à la lutte avec Obam. Premier duel gagné par Obam. Les premières balles de Le Boeuf pour Rousseau qui, vous voyez, a encore le genou bandé. Il a été opéré du ménisque il y a à peu près 3 semaines, Pascal Rousseau. Et puis il s'est heurté à Fabrice Diver la semaine dernière dans le match contre Caen. Et il a toujours un petit peu mal au genou. Pérez à l'interception. Ça fait Suzic. Pérez face à Roseau. Et bonne balle redonnée à Lambert. Sekana. Grosbois.
C'est Cana qui joue très haut, lui qui était défenseur central au Matra Racing la saison dernière avant d'être prêté à Laval. Rezo. Avec un bon contre, mais Pilorget facile pour Joël Batz. Est-ce que les joueurs de Strasbourg regardent le match ce soir? Oui, sûrement. Ils sont déjà à Lille? Oui, ils sont arrivés à Lille cet après-midi. Gabi Calderon avec Grosbois. On voit déjà que le marquage, s'il n'est pas totalement individuel du côté de Laval, sera en tous les cas serré. Obam est sur Zvereb, Kouliken est sur Suzik. Sekana joue bien dans la zone d'Oumarsen. Grosbois dans celle de Calderon. Et Rozo prend Perez qui joue presque ailier gauche aujourd'hui. Janol fait donc sa rentrée après suspension. Leboeuf, tout jeune libéraux qui a profité d'une blessure de Bruno Steck pour prendre la place et pour la garder. Dré aussi, Calderon, très vite. Et bonne interception de Leboeuf, qui était sorti de sa position de libéraux, mais qui peut jouer à tous les postes de la défense. Face à Cannes, par exemple, il jouait stopper, il avait marqué Zlatko Vujovic et ça s'était très bien passé. Plus vite, François, plus vite. On vient d'entendre les premiers mots de Michel Lemininaire pour François Brisson. Encore trop fort l'ambiance. Calderon, toujours face à Grosbois. Ah, il a cherché le petit pont, manqué. Et contre par Morgante. Brisson, balle un petit peu forte. François Brisson qui est le meilleur buteur du stade Lavallois avec 8 buts. Zvereb qui se retourne bien, qui va pouvoir s'enfoncer. Retour d'Obam, attention, balle dangereuse. Rezo, Sekana, Lambert et une des multiples interceptions d'Oumarsen. Plan sur François Omanbiyik, international camerounais, qui a tardé à s'adapter au jeu de Laval. Grosbois. Balle récupérée par Seine, avec de l'espace pour Charbonnier. Suzik, toujours Charbonnier sur la droite. Il va pouvoir centrer. Arras de terre, balle pour Zverev, Calderon et but. Oh là là, quel beau but. Superbe but du Paris Saint-Germain. Superbe but, oui. Avec une construction qui est partie de très très loin. Souvenez-vous, une interception de Seine et une relance de Charbonnier. 1-2 avec Suzik, Charbonnier qui centre, Arras de terre. Et la remise de Zverev en retrait pour Gabi Calderon qui frappe à l'intérieur des 6 mètres. En force sous la barre de Pascal Rousseau. Regardez sous cet angle. Très bon centre de Jean-François Charbonnier. Obam est derrière Zvereb. Petite erreur. Alors Zvereb remet pour Calderon. Grosbois va arriver trottoir et frappe en force sous la barre. PSG qui marque dès la 7e minute. Et quand on sait combien c'est difficile de marquer des buts à PSG, Daniel, c'est une affaire bien mal engagée pour Laval. Oui, mais enfin, maintenant ils vont se livrer à fond. Zvereb encore avec sa fête Suzik qui a de l'espace et qui récupère le ballon avec un peu de chance. Il va le garder certainement. Il va attendre du renfort. Le renfort est où? Il est à droite avec Daniel Zvereb. Perez hors jeu. Mais ça va vite, ça va très très vite du côté de PSG. Du côté de PSG, on veut gagner, c'est sûr. On veut aussi marquer des buts. Regardez, Zvereb, Perez qui se lance. Hop, il est en jeu, effectivement, d'une dizaine de centimètres. Mais il est en jeu au moment du déclenchement de la passe.
Sekana qui a fait une très bonne saison. Diallé Sekana. Il n'a même pas 21 ans. Et qu'on retrouve avec Charbonnier. Suzik, toujours des balles données au millimètre. Calderon, et heureusement, Aubame était en interception. Grosbois, dont Michel Le Millinaire dit le plus grand bien. Morgante. Avec une faute de Perez. Qui ne sait toujours pas s'il sera parisien, montpelliérain ou peut-être même une autre destination. Et voilà le tac de Perez. Morgan, bonne balle, accrochée par Pilorget régulièrement. Et Laval garde la balle. C'est Cana. Oman Bic. Morgan encore, oh, qui a pas voulu prendre sa chance deux fois de suite dans les frappes. Marc Morgan, qu'on avait vu jouer à Mulhouse, qu'on avait vu jouer à Metz. Et qui est le milieu offensif de cette équipe. Aussi Perez qui s'est replié très très loin. Zvereb contré par Brisson. Aubois, Pouliken, Rezeau, on développe jusqu'à droite. C'est Cana, une balle qui a eu du mal à être récupérée mais qui est toujours là pour Roman Bic. Brisson, gaucher, superbe centre, mais pas assez éloigné de Joël Batz. On revoit Brisson, gaucher. François Brisson qui paradoxalement doit être un des joueurs qui a marqué le plus de buts contre Laval. Il a déjà marqué 8 buts contre Laval. Donc 3 doublés lorsqu'il jouait au PSG, lorsqu'il jouait à Lens et lorsqu'il jouait à l'OM. Aujourd'hui, il est à Laval. Et le voilà en action. Bon, une balle que laisse filer Janol pour Joël Batz. Et toujours Zvereb avec ses appels sur la droite. Calderon, Suzik aussi qui fait des appels sur la droite maintenant. Il est face à Pouliken, son ange gardien. Oh, il sait tout faire, il est imprenable, sauf si on fait une faute, bien sûr. Daniel, ça fait de Suzik, on peut le classer à coup sûr parmi les meilleurs joueurs du monde. Oui, c'est sûr. Moi, j'avais une petite restriction il y a 2-3 ans parce que bon, sur certains matchs, il gardait trop le ballon. Mais quand Safet veut jouer collectif, c'est probablement le meilleur joueur opérant en France. Un coup franc de Calderon et tout le monde est moté du côté de PSG. Notamment Pilorget, Janol. Charbonnier, la tête. Oh, Rousseau, Xverem qui va pouvoir récupérer. Bon arrêt de Rousseau, mais panique dans la défense de Laval, centre de Calderon. Oh, cette défense de Laval va souffrir face au PSG aujourd'hui. Parce que je vous disais tout à l'heure que PSG cherche bien sûr les 3 points de la victoire, mais cherche aussi à mettre des buts, car on ne sait pas comment finira ce championnat. Regardez, tête piquée de Charbonnier, et devant Janol, Pascal Rousseau, qui vient dégager. Et heureusement que Zurem ne peut pas la contrôler. Pouliken, Leboeuf. Grosbois encore, qui a Brisson sur sa gauche, mais qui va garder. Il a un bon pied gauche, Grosbois, déjà marqué 2 buts. Bien joué pour Brisson. Bon centre et dégagement de Pilorget. Je vous disais que Pascal Grosbois, qui jouait milieu de terrain, lorsqu'il était à Angers, était en train de s'imposer tranquillement dans cette équipe de Laval. Le voilà déjà titulaire et il ne cesse de progresser. Corner tendu. Une balle qui va sortir.
Oui. Pour Joël Batz. Le Boeuf était monté, lui aussi c'est la nouvelle génération, il est encore stagiaire, Franck Le Boeuf, il jouait à Meaux l'année dernière. Et c'est monsieur Anziani, entraîneur de Meaux, qui a fait de lui un libéro alors qu'il était milieu de terrain. Et l'équipe de Meaux qui était dernière a aligné, je crois, 10 matchs sans défaite quand il est passé libéro. Grosbois. Brisson à la lutte avec Dré aussi. Monsieur Delmer hésite à prendre une décision et c'est finalement un corner. Du pied droit, sortie de Joël Batz et coup de sifflet de Monsieur Delmer pour une charge sur Batz vraisemblablement. Moment, on a vu une faute de balle sur Lambert en tous les cas, ça c'est sûr. Et après, bah vous trouvez ce que vous voulez. Zverev, toujours avec son camarade Obam, ils ne se quitteront pas aujourd'hui. Roseau, Lambert, Roman Bic. Lambert, bonne talonnade pour Roman Bic, de bonnes esquisses de jeu du côté de Laval, mais du côté de PSG, ça compte très vite et très bien, avec une ouverture de Pilanget pour Zverev. Tête à tête avec Obam, centre en retrait pour Safet Susik, et balle pour Calderon, et faute de Leboeuf sur Calderon. Eh oui, Leboeuf n'était pas parti pour faire une faute, mais il peut guère discuter. Et donc, coup franc. Peut-être pour Gabi Calderon qui nous a tout expliqué tout à l'heure. Sur ses coups francs face au but. Lorsqu'il jouait au Betis de Séville, tout le stade faisait chut et il n'y avait plus un bruit dans l'arène quand il s'est lancé. Vous voyez sa position presque parallèle à la ligne de but, Calderon, ce qui ne veut pas dire que ce ne sera pas Pérez qui va tirer l'air. C'est Calderon et c'est complètement au-dessus. Et il vous a expliqué tout à l'heure comment il fallait mettre son pied pour que le ballon soit bien brossé à la fois avec précision et violence. Et bien c'était sûrement pas comme ça. C'est pourtant lui, Gabi Calderon, qui a marqué le premier et pour le moment unique but de cette rencontre. Car PSG mène donc 1-0 face à Laval. Roseau. Pilanget, Seine. Charbonnier qui va trouver Grosbois sur sa route. Alors on cherche Zverev. Calderon en débordement sur la droite, bon centre. Daniel Strasbourg a joué ses deux matchs contre PSG déjà cette saison. Oui. Vous pensiez les retrouver quand vous les avez joués en tête du championnat, c'est-à-dire luttant pour le titre, premier ou deuxième? Bah, ils étaient déjà en tête du championnat quand on les a rencontrés. C'est une équipe qui est très 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 difficile à jouer parce que qui est extrêmement défensif. Apparemment ce soir c'est le contraire, mais c'est une équipe qui est difficile et c'est un petit peu la raison pour laquelle on comprend que le public ne vienne pas très nombreux. Il y a peut-être 8000 spectateurs ce soir et c'est dommage parce que ce soir il y a un match plus offensif. Oui, car du côté du PSG, si on a admis que Tomislav Ivic avait des principes tactiques qui avaient des résultats, et les joueurs ont été les premiers à l'admettre, ils ont tous aussi un petit peu regretté qu'on ne leur laisse pas un peu plus la bride sur le coup, y compris Francis Borrelli dans les vestiaires de Marseille la semaine dernière, y compris pas mal de joueurs. Et PSG, les joueurs ont également envie de se faire plaisir, pas seulement d'avoir le plaisir du résultat. Et aujourd'hui, on va les trouver souvent devant et souvent alimentés par Safet Susik.
crois, ouverture de l'extérieur du pied qui sera peut-être un petit peu longue, mais qu'il y avait encore beaucoup de créativité là-dedans, même si elle ne plaît pas à Tomislav Ivic. Suzyk Tomislav Ivic, il y a eu quelques... Tous ensemble, bravo ! Quelques duos cette saison. On vient encore d'entendre Ivic hurler Papé. Ça se passe souvent en serbo-croate et dans l'intimité, mais ils n'ont pas toujours été d'accord tous les deux toute la saison. Suzyk qui fait encore des misères à Poulikan. Bonne balle pour Zverev qui va pouvoir recentrer sur Suzyk. Tête de Suzyk au-dessus. Oh, ça fait Suzyk. Regardez, tout le désespoir du monde sur son visage. Mais quelle belle action emmenée par sa fête Suzyk. Relayée par Zverev et finie par Suzyk. Regardez, il n'a plus qu'à mettre la tête. Mais ça, c'est pas son point fort. Vous vous souvenez peut-être, il avait eu une fracture du crâne lorsqu'il a joué en Yougoslavie au début de sa carrière. Et depuis, il a toujours une certaine réticence à mettre la tête. Et c'est ça qui le fait manquer là. Car s'il y va franchement avec 100% de sa volonté, à coup sûr, la tête est piquée et il y a but. Pérez maintenant, accroché par Grosbois. Pascal Grosbois, défenseur, donc arrière ou milieu selon le cas, et qui n'a pas encore eu un seul carton jaune cette saison. Et là, qui a fait une grosse erreur d'attention face à Pérez. Rentre, il est gaucher, encore gaucher. Frappe au premier poteau à côté. Ah, mais du côté de PSG, on invente ce soir. Regardez Pérez, il est gaucher, on le sait, il revient, il trompe pourtant le défenseur. Première fin de frappe, deuxième fin de frappe, Roseau également trompé, et la frappe au premier poteau, mais à côté. Grosbois qui n'est pas remis, vous voyez, s'il manque ce contrôle, c'est parce qu'il n'est pas remis de la faute qui a précédé. Faute de Charbonnier sur Brisson. François Brisson, c'était la génération de qui au PSG? Pilorget, Morin, Brisson, les deux frères Brisson, Justier. La Beauvais en ce moment. Oui, qui était international espoir à l'époque. Et après, il y a eu le mou Fernandez. Luis Fernandez qui fait sa rentrée demain dans le groupe des 13. Le Matra Racing joue à Auxerre. Et bien que Giroud le sache déjà, Luis Fernandez est dans les 13, peut-être même dans les 11. On ne sait pas encore. Et Roseau, lui, s'est fait mal. Choc au genou. Je suis sûr que Luis va revenir parce qu'il a une volonté. Et... À ceux qui l'ont vu cravacher à l'entraînement ces dernières semaines et revenir en Détroit, n'en doute pas. On peut que lui souhaiter, et au football français aussi, qui a besoin d'hommes à tripes. Mais ce n'est pas seulement un homme à tripes, Luis Fernandez est aussi un joli joueur de ballon. Alors qu'on revoit la faute là, d'Omar Sen sur Roseau. Et que Michel Le Millinaire est en train de gronder un petit peu son stopper, Pierre Aubin. Lui demandant à coup sûr de resserrer son marquage sur Zverev, mais beaucoup de gens ont essayé de resserrer le marquage sur Zverev cette saison, et Zverev a déjà marqué 15 buts. Roseau, ça va mieux. Champion d'Europe junior en 1983, auteur du but en finale. Et du côté de Laval, on a redonné la balle à PSG qu'il avait sorti volontairement. Tout se passe bien. Dre aussi qui va chercher Zverev. Vous connaissez le scénario. Et faute d'Obam sur Zverev, ça veut dire que Obam a bien resserré son marquage sur Zverev, mais peut-être un peu trop. Sortie de Roseau. Facile, d'autant plus qu'elle était face au plus petit joueur sur le terrain. Toujours 1-0, 23, 24 minutes de jeu. 22 alors.
plus facile pour le PSG qui peut contrer. Et on sait qu'il a de merveilleux contreurs avec Susic, avec Zverev, avec Perez. Morgan. Réussi Zverev. Oh, Calderon qui s'en sort avec un petit peu de chance. T'as Perez sur la gauche qui peut frapper. Il a cherché Perez, interception de Roseau. Calderon encore. Bon centre de Calderon qui va être difficile pour Rousseau. Bonne intervention de Pascal Rousseau juste au moment du rebond du ballon. Revoir comme c'est difficile, vous voyez, il est obligé de prendre une position pas tout à fait orthodoxe pour garder la balle dans les mains. Brisson. Lambert. Bon, interception de Janol et contre de PSG. Susic. Ah, il n'y a pas beaucoup de blanc devant, hein. Il faut attendre. Voilà, c'est fait. Susic encore. Sen. Il va trouver Perez, non, balle contrée. Michel Le Millénaire, bloc défensif pratiquement incontournable côté parisien et des missiles en attaque. Quelle solution pour Laval ? Non, notre problème, c'est surtout qu'on commet des erreurs défensives qui ont permis au PSG de prendre l'avantage. Pour le moment, c'est notre problème, c'est de retrouver une assise défensive un peu plus solide. On verra après pour le reste. Parce qu'on a eu l'occasion de contourner tellement le bloc parisien. Mais notre problème, c'est de retrouver une certaine solidité derrière. Voilà, c'est net, c'est clair et on sent un petit peu de colère dans la voix de Michel Le Millénaire. C'est Cana qui se vient bien, Morgan. Oh, frappe très lointaine de Lambert, sans danger, Tanasi. Susic pris. Brisson qui a changé un petit peu d'aile. François Brisson, formidable athlète qui avait été deuxième du championnat de France cadet de triple saut avec 14,50 m, ce qui en cadet, pour ceux qui suivent l'athlétisme de près, veut dire quelque chose. Oman Bic, Brisson. Pouliken, Lambert, Roseau, Sekana. Oh, qui aura du mal là-bas dans ce coin. S'en sort bien, mais Janol est aussi venu contrer. Lambert, une équipe de Laval en tous les cas qui jette beaucoup de force dans la bataille. Charbonnier tout seul. Ah, monsieur Delmer qui fait pas de cadeau à Pierre Aubame. Il y a beaucoup d'amis dans les tribunes, Aubame. Il a joué au CA 14e, il a joué à Malakoff. Il y a beaucoup de copains qui sont venus le voir. International gabonais. Le seul en première division. Oui, aussi. Pouliken, Leboeuf, Roseau. On voit Laval qui essaie de jouer un football très très précis. Ça, c'est la patte de Michel Millénaire. Précis et collectif. Voilà, en voilà encore une image. Mais la passe de Van Beek n'était pas tout à fait assez précise. Susic, Charbonnier. Calderon et les vociférations, vous entendez, sont de Tomislav Ivic pour Susic. Et voilà Perez lancé sur la droite avec un tout petit angle. Et au centre, eh bien, les autres blancs n'avaient pas suivi. Il y a quand même, Daniel, 4 joueurs en attaque du côté de PSG qui sont au-dessus du niveau moyen du championnat. C'est certain. Certains, Susic, Perez, Calderon, Exuereb,
ce sont des joueurs de niveau international. C'est tout. Calderon qui retrouve l'équipe d'Argentine. Pérez, Susik a retrouvé l'équipe de Yougoslavie. Et Zvereb et Pérez en équipe de France, tous les deux. L'un pour un retour, l'autre pour des débuts cette saison. Susik qui envoie encore une balle pour Zverev, qui demande beaucoup d'efforts à Zverev, mais qui est un bon ballon pourtant. Omar Sen qui se la garde superbement, qui va aller chercher en retrait. En retrait, il cherchait sa fête Susik, mais bonne inspiration de Pascal Rousseau. Regardez, Omar Sen a tout fait à la défense de Laval et là il cherche le centre classique en retrait et Rousseau savait que ce centre était classique. Bon jaillissement de Pilanger. La passe est moins bonne. Brisson qui est venu ordonner le jeu au milieu du terrain. Robois, Sekana. Eh oui, mauvaise passe et immédiatement danger lorsque l'on perd un ballon face au PSG. Robois, oh, qui avait cru à un appel de balle de Brisson. Ils ont du mal à retrouver leur assise défensive, comme le demandait le millénaire, ces joueurs de Laval. Et du coup, eh bien, ils ont un petit peu de mal à bien construire, même si on sent que les intentions y sont. Robois encore. Omanbik, mauvaise remise. Ah, il est revenu en force rechercher le ballon, François Omanbik, qui jouait au canon de Yaoundé. Bonne intervention de Leboeuf. Leboeuf qui est venu à Laval simplement parce que son père travaillait dans la même entreprise que le père de Didier Philippe, attaquant de Laval qui aujourd'hui n'est pas là. Et par un père interposé, il a demandé à faire un essai à Laval. 3 séances d'entraînement seulement et le millénaire l'engageait. Voilà, bon 1-2, Pérez Calderon, Pérez sur son pied droit. Centre du pied droit, tête plongeante de Zverev qui échoue d'arrière. Et ballon encore pour Franck Tanasi au deuxième poteau. Et bonne intervention de Rousseau. En fait, quand elle veut cette équipe de PSG, elle est très inventive. C'est dommage qu'ils aient joué un peu trop de matchs derrière. Et oui, ils auraient une moyenne de spectateurs supérieure à celle qui est la leur aujourd'hui, puisqu'ils sont maintenant largement au-dessous de 20 000, alors que les années précédentes, ils étaient au-dessus de 20 000. C'est Cana, Brisson, Grosbois, et il n'y a pas l'ouverture. Calderon, Zverev en jeu. Il a fallu du métier à Leboeuf pour mettre hors jeu Zverev sur cette action. Et Leboeuf n'a pourtant que 21 ans. C'est Cana qui est seulement prêté à Laval et qui suit certainement avec intérêt l'évolution de la situation du Matra Racing, dont on dit de plus en plus qu'il pourrait, et s'appellerait alors le Racing, être repris complètement par le Racing Club de France et son président Alain Danet. Susik. Calderon. Les quatre attaquants vont avoir le soutien d'Omar Sen. Susik a cherché dans l'axe. Retour de la défense de Laval. Toujours 1-0, une demi-heure de jeu. Match joué sur un bon rythme. Morgan. Brisson au milieu de 6 blancs. Que voulez-vous qu'il arrive à ? Et Dre aussi, qui, comme l'a demandé Tomislav Ivic, continue à relancer très très long.
très discipliné pour les consignes, Pierre Dré aussi. Il ne l'avait pas été en début de saison. Il a compris ce que ça voulait dire avec Ivic et il n'a quasiment pas joué. Donc maintenant, il applique et regardez, ça ne suffit pas pour le bonheur de Tomislav Ivic. Donc Francis Borrelli lui-même ne sait toujours pas s'il sera parisien ou non la saison prochaine. En tout cas, si ça doit le rendre aussi triste que ça, les matchs, Ivic, il vaut mieux qu'il parte. Musique, mal perdu, il va entendre parler en serbo-croate dans les secondes qui viennent. Roseau. Et retour de Perez. Ça va moins bien PSG hein, depuis quelques minutes. Oui, mais ils se regroupent très vite. Hein. Dès qu'ils ont perdu le ballon, ils se regroupent très très vite derrière. Voilà, et le petit doute que l'on ressentait, eh bien, il est mis en exergue par ce temps gagné par Pile Orget et Joël Batz. Le Boeuf, Grosbois. Balle perdue par Morgante et repris par Perez. Récupéré par Lambert, Brisson. Brisson en fin de contrat avec Laval et pour le moment n'a pas reçu de proposition. Roman Bic. Lambert. Ouais, bonne balle pour Sekana qui a du monde à droite et qui n'a pas pu ajuster sa passe. Interception de Tanasi. Suzik. Cherche quel est le meilleur partenaire, c'était Gabi Calderon. Tête à tête avec Grosbois. Il centre derrière les buts. Parce que Grosbois a bien défendu sur Calderon. Michel Le Millinaire avec son président. Du côté de Laval, on est assez content parce que les nouvelles loges du club se sont bien vendues. Mais on serait surtout content de se maintenir en première division. Chanol, Perez, superbe sur ce dribble face à Roseau. Maintenant face à Leboeuf, intervention de Leboeuf, qui était peut-être de la main d'ailleurs. Morgan. Voilà, passe délicate pour Grosbois. Pascal Grosbois qui régulièrement a marqué 6 buts pendant ses 5 saisons de D2 à Angers et qui me disait ce matin, moi j'ai connu la D2 pendant 5 ans, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que je vais me battre jusqu'au bout pour ne pas y retourner. Car la D1 c'est autre chose. Obam bien placé devant Zverev. Obam titularisé à la place de Jean-Marc Mitton, qui donc pour la première fois remplaçant cette année quasiment même dans sa carrière. Et Michel Le Millinaire a choisi Obam parce qu'il joue avec deux stoppers ce soir et qu'il pense qu'un stopper de métier sera plus à l'aise face à Xureb qu'un défenseur latéral comme a été souvent Mitton. Vous auriez eu envie d'être entraîneur, Daniel, quand on voit le visage et la souffrance de Tomislav Ivic. Je crois que le président souffre autant. Hein. Ah oui. Vous allez sur le banc demain à Lille, vous serez sur le banc? Non. Je vais très très rarement sur le banc. J'ai vécu 3 ans sur le banc avec Justo et je trouve qu'on voit mieux des tribunes. Je trouve que même les entraîneurs devraient être dans les tribunes parce que c'est pas vrai qu'on voit la même chose sur le banc. En bas et en haut, c'est sûr. Et d'ailleurs, les grands clubs ont très très souvent un observateur dans les tribunes qui vient à la mi-temps faire ses observations à l'entraîneur.
Laval, souvent en possession du ballon. Voilà, encore quelque chose de bien joué avec Sekana, mais contre, et du coup maintenant il y aura 4 blancs. J'allais dire 4 blancs contre 3 oranges, et non, car Safet Tuzic, en voulant jouer trop vite, a perdu la balle. PSG un petit peu moins séduisant depuis 10 minutes, mais qui a son but d'avance. Quand on revient chercher Joël Batz comme ça, trois fois dans la même minute, c'est mauvais signe pour le spectacle. Heureusement, Suzic vient de retrouver une bonne ouverture pour Tanasi. Pérez à tous deux jambes. Pérez encore en débordement sur Leboeuf. Faute de Leboeuf. Ah, Pérez qui a retrouvé ses jambes du début de saison. Il avait eu un creux assez important. Regardez Leboeuf qui revient tacler. Il tacle juste entre le ballon et les pieds de Pérez. Et commet faute, une faute ensuite. Calderon, premier poteau. Repoussé par Grosbois. Tanasi, vous voyez toute cette remontée groupée des joueurs de Laval. Janol, beaucoup plus haut que Oman Bic, et pourtant une des grandes qualités d'Oman Bic, c'est sa détente. Tacle de Lambert sur Pérez qui a failli faire mal à l'ailier international. Et regardez, M. Delmer va appeler d'ailleurs Loïc Lambert. Voilà, pour lui demander d'être calme. Grosbois contré par Charbonnier. Et faute de Charbonnier. Charbonnier qui a un petit peu des allures de remplaçant, et en fait quand on fait les comptes on s'aperçoit que l'année dernière par exemple il a joué 35 des 38 matchs de championnat, et que cette année il est à peu près de tous les coups aussi, alors que Dre aussi lui eh bien, a passé pas mal de temps sur le banc de touche. J'avais fait les comptes la semaine dernière, je crois qu'il a joué 13 ou 14 matchs. Rico, lui, je crois, a joué 4 comme titulaire. Il a préféré le Paris Saint-Germain que chez nous. Chez nous, il aurait peut-être joué. Encore que à Strasbourg, vous avez des nouveaux arrières latéraux, dont Cobos. José Cobos qui fait vraiment, avait été époustouflant lorsque l'on avait vu Strasbourg-Metz sur Canal par exemple. C'est un des jeunes dans lesquels vous croyez sûrement. Oui, je pense qu'il est, il est très très proche de l'équipe de France Espoir. Oh, Grosbois, superbe au milieu de trois Parisiens, et puis la dernière passe manquée. Morgante à la lutte avec Pilorget, avec Pérez, Brisson. Centre tendu, repoussé, oh mais petite main, oh oui, oh que cette main n'était à coup sûr pas volontaire, mais sur une balle repoussée par Janol, la balle a heurté la main d'Omar Sen, qui est en train d'expliquer que c'est pas possible, que c'est pas une main volontaire. Regardez, on va revoir, regardez, centre de Brisson tendu, là c'est Janol qui repousse, hop, et Omar Sen qui essaie de ne pas faire main. Là il y a... C'est pas arbitré dans l'esprit du jeu, ça. Il a d'ailleurs hésité, Monsieur Delmer, et puis il a sifflé. Une fois qu'il a sifflé, pas d'autre solution que de donc
placer ce coup franc qui est à peu près à 20 mètres des buts de Joël Batz. Avec un bon tireur, on le connaît, c'est Brisson, mais c'est pas de son côté. Alors ça peut être tout simplement Franck Leboeuf. Il n'a marqué qu'un but cette saison, c'était en division 3 contre Caen. Et c'est la première fois qu'il joue au Parc, bien sûr. Ça serait un souvenir merveilleux pour lui. Frappe à ras de terre déviée en corner. C'est non seulement la première fois qu'il joue au Parc, Leboeuf, mais seulement la deuxième fois qu'il y vient de sa vie. Il n'y a vu qu'un seul match, c'était un RDA France. Mauvais souvenir, victoire de la RDA en championnat d'Europe. Laval encore sur ce corner, tête haut sur la barre de Dré aussi, je crois. Balle pour Roman Bic, repoussé par Talazi. Laval déchaîné, un nouveau centre, tête de Sekana. Grosbois, ah, Grosbois qui a voulu amortir de la poitrine avant de frapper. Et l'occasion est passée. Mais que le Paris Saint-Germain a eu chaud avec cette déviation de Dré aussi sur la barre transversale. Faute sur Janol de Leboeuf qui n'avait pas encore rejoint sa position de libéron. Alerte pour PSG qui, après avoir fort bien pris le match en début de rencontre, est en train de perdre un peu de sa concentration. On revoit la faute de Leboeuf, on reverra tout à l'heure la tête sur la barre. Philippe Janol. Voilà, la grande carcasse est debout, tout va bien. Zuzic avec son ange gardien Pouliquen. Perd le ballon, Perez, Zuzic. Oh, pas de faute sur Zuzic, a dit Monsieur Delmer. C'est Cana. Brisson qui a failli prendre Dré aussi, Charbonnier en difficulté. Oui, cette équipe de PSG a perdu une bonne partie de sa concentration. Alors du coup, on perd des ballons, on est inattentif. Il faut jouer à 100% de ses moyens lorsque l'on est au haut niveau. Car tout peut toujours arriver. Le match était facile dans le premier quart d'heure. Il est en train de devenir beaucoup plus difficile pour PSG en cette fin de première mi-temps. Va être difficile pour Grosbois. Oui, c'est bien joué pour Brisson. Oh, Charbonnier s'en sort bien en récupérant ce ballon et en lançant Calderon. Calderon sur son aile, contré par Pouliquen. Calderon qui espère jouer ailier gauche en équipe d'Argentine. Et qui ira jouer la Copa América cet été. Jorget battrait aussi. On fait un petit peu courir le temps du côté de PSG. Aubame bien placé devant Zverev. Lambert, Leboeuf. Interception de Perez, appel de Tanasi sur la gauche. Zuzic en plein centre. Au balle pour Zverev. Un petit peu forte. Mais ça fait que Zuzic cherche toujours des passes décisives, quasiment où qu'il soit. Alors bien sûr, de temps en temps, il en manque. Et mi-temps donc, avec un seul but d'avance pour PSG. C'est là que ce ballon est rentré. Rousseau va chercher son sac. Thierry Dujon, lui, va aller chercher non pas sa fête Zuzic, mais Leboeuf peut-être, pour sa première expérience au Parc. Franck Leboeuf, beaucoup d'occasions de but pour le Paris Saint-Germain. Alors comment s'organiser à Laval pour laisser moins d'espace aux attaquants parisiens? On avait décidé de faire un marquage strict dans les 30 derniers mètres, mais ça n'a pas marché du tout au début. On a pris notre but comme ça. Je crois que les attaquants bougent beaucoup. Et nous créer pas mal de problèmes au niveau du marquage.
parce qu'on ne sait pas très bien faire l'individuel et la zone, donc on se mélange beaucoup. Mais sur la fin, on revenait bien, je crois, et la balle qui tape sur la barre, on peut revenir. Je crois que c'est pas fini, il faut y croire. Ouais, je crois aussi qu'il faut rentrer et reprendre son souffle. Là, voilà la balle sur la barre. Regardez, déviation de Dre aussi. Et oh, le petit Pérez qui était sur la ligne de but essayait de sauver la balle de la tête, aurait pu se faire très mal. Ensuite, il y a la volée d'Oman Bic contrée par Tanasi. Et le ballon était toujours la Valois. Mais regardez où est Pérez. Il est dans les buts derrière Joël Batz. Pérez, ailier gauche de l'équipe de France. Et là, c'est fini. Grosbois, balle perdue. Voilà, ben c'était l'occasion de Laval. On revoit cette fois-ci le centre de Charbonnier, la remise de Xuereb et le but de Gabi Calderon. But de Gabi Calderon qui est le sixième but de la saison. Occasion donc de revoir les cinq premiers buts de Gabi Calderon depuis le début de la saison. Ça avait commencé face à Cannes. Voilà, il dribble à Mitrano et dans un angle impossible, il réussit à marquer. Coup franc contre Toulouse. Robin Huck battu. Le prochain, Daniel, je vous le dis tout de suite, pénalty contre Strasbourg, vous le reconnaissez. Fluklinger pris à contre-pied. Coup franc contre Caen, Ben Souzan n'y peut rien. Et pénalty à nouveau face à Lama à Lille. C'était les 5 et le 6e but de Gabi Calderon. Seul buteur donc pour le moment de la rencontre. Caméra isolée. C'est les images sélectionnées par Philippe Doucet. Ah, c'est Rousseau sur le but. Voilà, Rousseau sur le but, Rousseau après le but. Un geste rageur. Petit coup d'œil vers ses coéquipiers. Rousseau qui nous parle de ce qu'est un match à Paris par rapport au match en province, par exemple. Bah, le fait de jouer au Parc des Princes pour tout footballeur professionnel, ça représente déjà beaucoup de choses dans la mesure où on vient dans la capitale, on se fait un petit peu plus voir des journalistes et puis du public parisien dont on connaît la ferveur. Et puis pour moi, ça représente un petit peu plus du fait que j'ai joué au Matra pendant très longtemps et que ça me laisse toujours un petit pincement au cœur et un petit peu d'amertume de revenir ici. Rousseau et ses belles tenues, Rousseau aussi et ses belles qualités. Voilà, là c'était prise de balle. Ça fait de Suzic maintenant avec toujours ses contrôles, sa mobilité et ses longues ouvertures. Il appelle la balle, on l'entend. Il guette. Et là il attendait ce centre en retrait que Pascal Rousseau est venu lui voler. Et maintenant l'homme le plus malheureux du parc ce soir, Tomislav Ivic, qui ne veut pas voir ça, mais son équipe mène quand même 1-0. Voilà, on passe aux statistiques pour voir si cette fin de première mi-temps de Laval s'est traduit également par les chiffres. Attaque sur la droite de PSG, vous connaissez le système, Danik Zureb et ses appels de balles. Mais on marque aussi par là quelquefois. Laval, 4 attaques, ça déborde quasiment pas. Des tirs du côté de PSG, il y en a eu 3 dehors, 2 cadrés, 5 tirs, 1 but, c'est la bonne proportion. Du côté de Laval, on n'arrive pas à se mettre en position de tir, c'est évident. Maîtrise du ballon, et vous voyez que Laval, dans les 20 dernières minutes, s'est assuré une assez nette maîtrise du ballon, mais ça ne suffit pas pour s'imposer. 7 fautes seulement de PSG, qui a vraiment beaucoup fait de progrès depuis le début de saison. Sur ce chapitre-là, 9 du côté de Laval. Ça fait 16 en tout. À Laval, quand il y avait eu, si j'ai bien lu, 49 coups francs. Suzic, qu'est-ce qu'il nous a fait, Suzic? Il n'a pas récupéré de ballon dans les pieds d'adversaire, 0 ballon gagné. Et il en a perdu 8, ce qui est beaucoup plus que d'habitude. C'est vrai que Suzic perd aujourd'hui pas mal de ballons. Il en a joué 21. Avec qui? Avec Calderon, Xuereb et Pérez, ça veut dire quand même que, regardez, les trois hommes qui sont le plus servis par Safet Suzic sont des attaquants. Ça veut dire quand même que Safet Suzic regarde toujours devant lui et cherche toujours ce qui peut être dangereux pour l'adversaire. La preuve, regardez la zone où il a joué ses ballons, c'est toujours dans le camp adverse, hein, quasiment. Il cherche vraiment à être décisif et dangereux à chaque instant.
Voilà, statistique, c'est fini. On va enchaîner donc avec la montée du PSG. Daniel, ça va vous rappeler des souvenirs. On regarde d'abord les images, après on en parle. Philippe Doucet a retrouvé des images d'un film d'Adolphe Drey. Un superbe film. D'ailleurs. Voilà, superbe film. Adolphe qui travaille très très souvent avec nous, qu'on retrouvera lundi au Jubilé Giresse. Regardez en deux minutes de souvenirs. Et quel souvenir! Camille Choquier, Jackie Planchard, Éric Renault, Louis Cardier, Jacques Babb, Jean-Louis Leonetti, Armand de Montero, Jean Deloffre, Christian André, Mordechai Spiegler, François M. Pelé, Jean-Pierre Dogliani, Michel Marella, Othniel de Séville, Robert Vico, entraîneur, Juste Fontaine, directeur technique. C'est à vous de voir le problème. Si vous voulez jouer l'année prochaine en seconde division, vous me le dites de suite, je ne vous mets pas dans l'équipe. Et si vous voulez jouer en première division, ben, vous le montrez sur le terrain. Daniel, bon, on a vu des images bon, qui pour vous sont des images assez fantastiques, je présume. Il faut redire, comme on avait seulement laissé la musique, il y avait quoi? Il y avait, pour finir, il y avait le PSG-Valenciennes. PSG-Valenciennes, on avait perdu 1-0 à Valenciennes. Attends, peut-être 2-1, je tiens. Et on était mené 2-1 à domicile. Au Parc. Et là, tout d'un coup, l'équipe s'est mise à vraiment jouer de manière magnifique. Parce qu'il fallait remonter deux buts et finalement on a gagné 4-2 et il y a ce fameux but qui a été marqué par Jean-Pierre Dogliani qui était soi-disant hors-jeu, qu'on a revu 10 fois sur magnétoscope et finalement il n'était pas hors-jeu. Et avec l'émotion de Juste Fontaine à la fin. Oui, enfin, malaise. Moi je crois, je vais dire, j'ai été pendant une demi-heure après le match projeté parce que bon, monter la première année avec une équipe de 3ème division, c'était quand même quelque chose de fantastique. On n'avait qu'à l'époque 4 pros dans l'équipe. C'était quelle année? 1973. 73. Et maintenant vous êtes président du Racing Club de Strasbourg. Oui. Un petit saut. En tout cas, cette montée de PSG avait été un grand moment d'émotion au Parc. Alors je crois qu'il y avait surtout une atmosphère fantastique dans ce club, car j'avais beaucoup de difficultés. J'étais le seul club de France à ne pas avoir de subvention à l'époque. Donc on a monté vraiment ce club avec nos propres moyens, fait de briques et de broc. Et si aujourd'hui le Paris Saint-Germain joue pour le titre et en a déjà obtenu un, bah c'est quand même une certaine fierté pour ceux qui l'ont monté, je dirais. Mais il règne le même esprit à Strasbourg et c'est ça qui me... C'est ça qui me fait chaud au cœur. C'est un club qui a eu beaucoup de problèmes, qui était tendu, et maintenant, on est devenu un vrai club aussi. Très bien. La barre, là, vous avez compris qu'il y a une barre. On n'y peut rien. Elle est depuis comme 1972, le Parc est construit, je crois, à peu près. Hein. La barre,
elle est là toujours et vraiment on ne peut pas l'enlever, on ne peut rien faire. Ce qu'on peut faire en revanche, c'est vous remontrer un petit extrait de la cassette Platini qu'on peut trouver partout. Regardez là cette cassette du Jubilé Platini. Michel Platini est heureux et fier de vous présenter le match le plus international et le plus prestigieux du siècle. Tous les plus grands joueurs du monde avaient répondu présent à l'occasion de cette journée exceptionnelle, de ce match mémorable. Amis sportifs, revivez les moments forts de cette rencontre. La cassette vidéo VHS Secam du Jubilé Platini est maintenant en vente grand public et disponible dans les meilleurs magasins vidéo de votre région. Voilà, Jubilé Platini, et vous savez qu'on va en vivre un autre lundi en direct sur Canal+, à partir de 19h30. Ce sera le jubilé d'Alain Giresse. Pour vous mettre en appétit, alors qu'on revoit sous cet angle le but donc de Calderon, pour vous mettre en appétit, quelques images de l'un des sujets, on aura l'antenne de 19h30 à 22h45 à peu près, de l'un des sujets qui concerne Alain Giresse. Giresse et Tigana dans leur terre. Regardez, c'est Christophe Roux qui les a retrouvés. Je trouve qu'il est dangereux au volant de tracteur quand même. C'est vrai qu'il n'a pas son permis. C'est vrai que je suis plus à l'aise avec un ballon au pied qu'avec le tracteur. C'est vrai que ça fait plaisir de se retrouver. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a tellement de moments forts que le jubilé, moi d'Alain, ça m'a fait un petit peu peur. Car le mien, il n'est pas loin. C'est-à-dire la rotate. Alors ça me. J'appréhende. Ah, c'est vrai que c'est sûr. Ça veut dire que c'est fini là. Et... Voilà, Giresse et Tigana, on les retrouvera tous les deux lundi soir. Et puis une sélection d'internationaux avec de très très grands noms. Et des Girondins de Bordeaux. Et Michel Platini sur le terrain, bien sûr, avec son copain Giresse. Vous voyez la remise de Zverev, la frappe de Calderon. Et puisque l'on parlait un petit peu des presque déjà des souvenirs, il y a une journée souvenir qu'il ne nous faudra pas oublier. C'est également lundi 15 mai, avant le jubilé Giresse, c'est à Chalon-sur-Marne. Journée souvenir à la mémoire de Laurent Fournier, un junior qui jouait avec Roseau, qui a été champion d'Europe en 83, qui malheureusement est décédé. Et l'équipe de France, championne d'Europe junior 83, jouera contre les amis de Laurent Fournier, où on trouvera Paille, Cantona, Roche et tout ça. Lundi 15 mai, dans l'après-midi, à Chalon-sur-Marne. Et également l'équipe de France militaire qui vient faire un match mercredi à Strasbourg en la mémoire de Vincent Sattler. Bien sûr que qui lui aussi fait partie des membres de la famille football qui nous ont quittés cette année tragiquement. Et regardez Pierrot Gadoff, ce monsieur-là, c'est le gardien du Parc des Princes. Depuis combien de temps, j'étais encore en Bretagne, qu'il était déjà gardien du Parc. Il prend sa retraite, c'est dans trois matchs maintenant. Il reste en quoi? Il reste deux matchs au Parc. Ça sera fini, on ne le verra plus. C'est lui qui s'est occupé depuis des années de la pelouse du Parc des Princes, des vestiaires, qu'elle a mis de tous les joueurs de football, de tous les joueurs de rugby, y compris les Gallois, les Anglais, les Écossais. Pierrot Gadoff, eh bien, il est à la retraite. Pour le voir, il faudra aller dans le sud-ouest maintenant. Ça, c'est aussi une figure qui va nous quitter cette année. Mais heureusement, nous quitter, mais qui continuera dans le sud-ouest à nous régaler de ses bons mots. Pérez. Zverev en jeu. Voilà, qui s'excuse vis-à-vis de Obam parce que Zverev a poussé la balle très très loin alors qu'il savait bien que c'était sifflé. Yannick Zverev, très bonne mentalité. Pas grand chose à redire sur ce joueur-là. Miton est rentré du côté du stade Lavallois. On va le voir avec son premier ballon sur le côté gauche et c'est donc Grosbois qui a dû sortir, je vais vérifier. Lambert. Oh là, Lambert pris très exactement en sandwich entre Janol et Tanasi.
ses deux hommes de base. Brisson tendu, premier poteau, oh, repoussé par Bat juste au-dessus du pied de Van Beek. Et voilà le PSG qui tremble en début de deuxième mi-temps comme il avait tremblé en fin de première. Van Beek qui garde bien son ballon et Tanasi en touche. Même en corner. Rezeau, très bon centre, repoussé par Pilarget. Calderon, très très loin devant, en espérant trouver Xvereb, avec peu de chance de le trouver. Pouliken, Leboeuf. Face à Zuzic. Rezeau, Lambert, Roman Beek. Pris par Janol comme il l'a été souvent depuis le début du match. Beaucoup de métiers de la part d'Obam face à Xvereb. On a repris une défense classique à 4 défenseurs du côté de Laval, c'est-à-dire que Miton, qui n'est pas dans la zone de Calderon, là, que vous découvrez là, a repris le poste d'arrière gauche. Et Monsieur Delmer va arrêter le jeu car Calderon se plaint d'une manchette. Voilà, on va revoir sans doute. Avec Sekana, c'est un coup de coude. Coup de coude de Sekana sur Gabi Calderon. Dans le coup, c'est le membre. Alors qu'on revoit ce corner de Brisson, repoussé par Batz. Et là, il n'y a pas de Lavallois pour reprendre. Voilà, et on va voir quelque chose d'assez rare. Regardez ce qu'on appelait une chandelle d'arbitre ou un entre-deux, fait par M. Delmer qui a arrêté le jeu au milieu du jeu et Xvereb qui ne dispute pas la balle, qui la laisse à Laval. La balle qui était en possession du ballon. Leboeuf, Rezeau. Roman Beek. Sekana qui fait pas un mauvais match. Lambert. Rezeau va essayer de faire tourner jusqu'à Miton. Voilà, c'est fait. Miton qui n'est pas capitaine ce soir, donc puisqu'il n'était pas titulaire. Rezeau qui va peut-être récupérer ce ballon et retour de Pérez. On aime bien voir Pérez en attaque à son poste d'ailier gauche, mais il faut bien avouer que dans un rôle défensif il sait aussi se rendre très très utile. Et lui dit lui-même qu'en élargissant son rayon d'action il a progressé défensivement et tactiquement beaucoup plus qu'en restant strictement ailier gauche. Batz, dont la tendinite au genou a disparu maintenant. Oh, Suzy, contré par Omar Sen. Ce sont ces petits signes-là qui montrent que quelque chose ne va pas très bien en ce moment dans l'équipe de PSG. Et c'est peut-être tout simplement que, parce que ça a été la grande question de la semaine, que l'équipe de PSG n'est pas remis du tir de Sauzet de la 91e minute de la semaine dernière. Ça
circule bien du côté de Laval jusqu'à Sekana. Oman Bic. Pilorget. Janol qui a failli être contré. Rezaud, Lambert, Rezaud. PSG qui ne arrive pas à garder le ballon. Ce qu'a compris Suzic qui va temporiser un petit peu. Calderon. Faute sur Calderon. Elle est signée Morgante et Ivic ne regarde toujours pas le match. Bouliken, Miton. Il a appelé François Brisson, il a trouvé François Brisson. Il a peut-être centré du pied gauche. Ah, il n'y a pas de faute sur François Brisson, dit Monsieur Delmer. Il y a eu des petits bouts, quoi. Du bout de faute, apparemment. En tous les cas, le contre profite à PSG. Avec Calderon, Zverev est plein centre. Crochet de Calderon face à Leboeuf. Et victoire de Leboeuf qui vraiment est un espoir à ce poste de défenseur. Ce sera une des révélations de la soirée. Franck Leboeuf, toujours stagiaire. Qui n'est pas passé dans un centre de formation. Comme Grosbois qui n'est pas non plus passé dans un centre de formation. Vous savez, ces centres de formation qui, si les mesures recommandées par Roger Bambuc sont appliquées, ouvriront plus tard qu'en ce moment. Ce qui rend assez mécontent Giroud, qui lui voudrait qu'au contraire, les centres soient ouverts encore plus tôt. Non mais en triomphant de Leboeuf, il a quand même eu Anziani comme entraîneur, comme formateur, ce qui est pas mal du tout. Ah oui. Ils ont sorti quelques joueurs à Meaux quand même. Barrientos, Tomislav Ivic, Guy Adam. Suzic pour Charbonnier, pour Zverev, pour Rousseau. Toujours Pérez, travailleur inlassable du milieu de terrain. Suzic Pouliken, joli pas de danse. Et Pérez encore, qui est très bon ce soir. Sen. Miton. Miton qu'on retrouve en position d'ailier gauche face à Drey aussi. Qui passe à Drey aussi. Mais qui retrouve sur son passage Calderon. Balle perdue par Pilorget. Et une balle perdue par un défenseur de PSG, ça veut dire que Laval va repartir à l'attaque. Avec Lambert. Bien taclé par Janol. Michel Le Millinaire, très anxieux sur son banc. Il vient de re-signer un contrat de 4 ans avec Laval. Rezaud, bonne balle, superbe tête de Leboeuf. Et oui, ce même Leboeuf qui était sorti de sa position de libéro, qui n'a toujours pas marqué en première division, qui découvre la pelouse du Parc des Princes et qui vient avec beaucoup d'audace et d'autorité, regardez, s'imposer dans un duel aérien dans la défense de PSG. Signe d'une classe certaine. Il a complètement digéré son premier match pro en début de saison à Nice, où il avait été si mauvais en première mi-temps que le millénaire l'avait sorti. Oh, bonne balle pour Pérez sur son pied gauche. Suzic, frappe de Suzic. Instantané du pied gauche. En force, le long du poteau de Rousseau.
La fête physique qui ne marquera pas son 7e but sur cette action. Oh, que ce n'est pas passé loin. Même lorsqu'il n'est pas dans un très très bon jour, les statistiques nous ont montré qu'avec 8 balles perdues en première mi-temps, il n'était pas dans un très très bon jour. Safet Šušić reste un joueur d'exception. De la main. Pas surpris, monsieur Delmer, qui cette saison a arbitré un match de Coupe du Monde, Bulgarie-Danemark, et qui la semaine prochaine sera à Milan pour arbitrer un Italie-Espagne espoir. Ce match, Daniel, votre équipe de Strasbourg, elle vous paraît supérieure à Laval ou dans les eaux de Laval, comme l'indique le classement? Je crois qu'elle est à peu près équivalente. Bon, on a dominé Laval chez eux, on a perdu, et à Strasbourg, on a gagné assez facilement. Donc, au goal average particulier, mais c'est une équipe qui se bat et. Évidemment, pour nous, est un rival. Mais je suis déçu par le Paris Saint-Germain depuis la 30e minute. Parce que là, ils n'ont vraiment pas la maîtrise du ballon. En nombre de minutes de possession de ballon, on va le voir à la fin, c'est... Oui, on a cru c'est ça qu'on dit comme ça. En début de match qu'on s'en allait vers une démonstration de PSG. La défense de Laval était un petit peu perdue et surtout l'attaque de PSG était rayonnante. Et puis ça s'est cassé. Ça repart peut-être avec Pérez. Appel de balle de Šušić. Et balle un petit peu imprécise. Roseau. Sekana. Tanasi. Faute sifflée à Sekana face à Tanasi. Et au match aller, les deux hommes se connaissent bien car Tanasi avait marqué contre son camp sur un centre, sur une très belle action de Sekana. Janol qui va donner un bon ballon à Zverev. Zverev à 1 contre 2. Qui trouve Šušić. Šušić sale face à Rousseau. Et but de Šušić. Dans ces situations-là, le Yougoslave est invincible quasiment dans les tête-à-tête. Ça, Zverev, Šušić. Voilà. Petite étreinte, regardez sa fête Šušić. Contrôle, il s'en va sur son pied gauche. Et là, tir croisé juste au moment où Rousseau arrive sur lui, au pied du poteau. Regardez, là, on a déjà eu la remise de Zverev. Un contrôle pour échapper au défenseur. Et une frappe croisée pour échapper à Rousseau. Le voilà Zverev qui lui a échappé à Obama, qui fait une très très bonne balle, mais il peut donner cette très bonne balle parce que Šušić s'est très bien engagé. Et là, le travail de l'artiste devant le but. Ça a fait Šušić, c'est son 7e but. Mais Rousseau est sorti, il est bien en avant. Hein. L'ancien gardien de but qui juge. Oui. La tâche s'est considérablement alourdie pour Laval. Et comme par hasard, les relances deviennent plus faciles pour l'équipe qui vient de marquer. Calderon, appel de Šušić, juste dans son dos. Rousseau qui n'est pas tout à fait remis, mauvais dégagement à la main, balle pour Sen et sortie de Leboeuf. Toutes jambes. Lambert qui va être contré par Janol.
Ce but va peut-être donner un peu d'animation à la rencontre qui commençait à en manquer. PSG 2, Laval 0, ça veut dire qu'en ce moment, PSG a repris la tête du championnat. Mais que les Marseillais sont pour le moment dans les fauteuils de leur hôtel et que demain, ils auront l'occasion à Toulon, mais c'est pas si facile, de reprendre ce qui était leur bien à 20h30. Morgante avec une faute de Pilorget. Peut-être l'occasion de voir la détente de François Omanbik. 11 buts l'année dernière, 4 seulement cette année. Voilà, le mur 7m20. Oh, très belle balle sur la tête d'Obam. Totalement démarqué sur ce coup franc de Brisson. Quelle occasion pour Laval. Regardez Brisson qui va contourner sous le mur blanc. Personne n'a suivi Obam, c'est-à-dire Suérez n'a pas suivi Obam. Et Obam au-dessus. Quelle occasion. Il a sauté trop tôt. Et il a sauté un poil trop tôt. Et du coup, il n'a pas pu rabattre son ballon. Et pourtant, Obam qui est un attaquant. Parce que dans l'équipe du Gabon, on le fait encore jouer maintenant. Quelquefois avant-centre, quelquefois milieu de terrain. Relancer complètement le match qu'un but de Laval. Laval qui est toujours la bête noire du PSG, comme Lille. Et Xureb qui va être la bête noire d'Obam ce soir s'il réussit ce dribble, allez dire, et il est manqué. Daniel Xureb qui avait joué son premier match professionnel à Nancy contre Platini. Qui va très vraisemblablement faire partie de la mission de je ne sais plus comment l'a appelé le ministre Roger Bambuck, mission d'étude ou mission d'exploration. Audrey aussi, balle un peu trop tendue pour Joël Batz qui va ramener ses trous. Pour les corners tirés du pied droit. Très long, oh, juste devant Obam encore cette balle. Charbonnier. Oui, par Morgan. Calderon sur la droite. Bon centre. Des balles qui étaient très difficiles pour la défense de Laval. Et Rousseau s'en sort bien en trouvant ses canards. Repart avec Morgante. Lambert. Oh, bonne balle pour Sekana. Il aura du mal à se retourner. Jeannol en force. Et Sekana qui récupère ce ballon. Et qui repart à l'assaut tout seul. Morgante. Oh, et bonne balle sur la gauche pour Mitton. Mitton encore, hein, qui manque sa frappe après avoir manqué la première, mais avoir été taclé un peu sévèrement par un défenseur de PSG.
Jean-Marc Miton qui est passé près, très près d'un exploit. En tout cas, Laval qui trouve des ouvertures dans cette équipe de PSG. Et qui va faire planer le danger sur PSG jusqu'au bout, malgré les deux buts d'avance. PSG ne fait pas preuve de sa maîtrise dans le jeu. Ça, c'est quelquefois fréquent. Mais de sa maîtrise défensive, ça, c'est beaucoup plus surprenant. Les ballons systématiquement rendus au stade Lavallois. Morgan qui va peut-être frapper. Brisson. Bon centre et la balle encore devant la main de Joël Balz et devant les pieds de Lavallois. L'équipe de PSG, une défense qui est un petit peu en perdition. Regardez Joël Balz, il ne peut pas intercepter. Et là, les voilà les pieds rouges qui arrivent, c'est celui de Sekala. Assez étonnant tout de même que cette équipe de PSG ne réussisse pas au moins à remettre en place la muraille qu'elle sait construire habituellement. Vous pensez, Daniel, que ça peut... Est-ce que cette équipe de PSG est toujours sous le coup de sa défaite à Marseille? Moi, je crois que c'est pas tellement ça. Je crois que, bon, ils ont un petit peu peur. Ils jouent pas libérés. Suzic ou Marseille, attention, c'est une balle de but. Calderon, contré, une nouvelle chance. Deuxième poteau. Pérez de volée. Pilanget. Charbonnier, oui, il y avait des blancs en jeu, mais Zverev qui va marquer de la tête si ce but est accordé à côté. Oh, yeah. Oh là là là, quelle bonne inspiration de Zverev. Alors que des attaquants de PSG revenaient de la position en jeu, M. Delmer avait choisi de laisser se poursuivre l'action. Et Zverev a tenté une tête piquée. Non pas piquée, une tête lobée par-dessus Rousseau qui est archi battu. Et regardez, quelques centimètres dehors. Bien joué Zverev, Zverev, Pérez, Calderon sont trois attaquants en forme du côté de PSG. Suzic un petit ton en dessous aujourd'hui. Et le reste de l'équipe un ton largement en dessous. Lambert. Deuxième poteau. Troisième poteau. Complètement dehors. Le millénaire en est triste et du coup il va faire rentrer un attaquant. Michel Le Millénaire, bonne deuxième période de Laval, mais ce but assassin, problème physique ou difficulté tactique? Oh, je crois que c'est des difficultés. On a été obligé de prendre des risques en montant, si bien qu'ils ont trouvé la faille derrière avec un exploit de Susic bien sûr. Non, je crois qu'on essayait de revenir. Malheureusement, pour les passer, c'est pas si simple. Et on n'a pas notamment le coup franc où Batz s'est interposé avec un assez de bonheur. Il aurait fallu que là, on revienne à la marque. Vous allez faire rentrer Pérez. Quelle modification? On va voir. On va réfléchir encore un peu. Suzic avec appel de balle de Pérez. Super, qui va retrouver Sen au centre. Non, il préfère garder le ballon et donner un retrait à sa fête, Suzic. De l'intérieur du pied qu'a tenté encore un geste de haut de gamme. Mais c'était sans doute pas le bon choix. Regardez Pérez, il redonne pas à Oumarsen qui est là. Il attend, il donne en retrait à Suzic, rien à dire, c'est parfait. Et là Suzic qui cherche à ouvrir le pied pour trouver la lucarne gauche de Rousseau et qui trouve l'extérieur du but. Regardez Rousseau, il sait qu'il va y avoir danger. Il prend ses appuis sur le tir de Suzic. Il l'a bien vu, il est trop loin. Tellement trop loin que la balle était dehors. Et toujours 2-0 pour PSG. Et la pression sur l'Olympique de Marseille demain. Ensuite, pour les deux dernières journées de championnat, tous les matchs se dérouleront à la même heure. Suzic parfait pour Charbonnier. Charbonnier comme un ailier. Eh non, Charbonnier n'a jamais été ailier. Charbonnier a été milieu de terrain à Reims.
où il avait marqué une quinzaine de buts. Fait quelque chose, lui a demandé Morgan, et il a fait quelque chose car il va arriver seul devant Bach et il choisit de frapper. Quelle erreur, mon Dieu, facile sur le banc bien sûr de dire quelle erreur à un joueur qui est sur le terrain, mais tout de même qu'est-ce que fait là Oman Dik, car regardez ce que vous allez découvrir sur la gauche là, absolument seul et invoquant tous les dieux. Brisson, Oman Dik a choisi une frappe en force totalement manqué de plus. Ça fait tout de même des occasions pour le Stade Lavallois face à cette défense de PSG. Sen avec le bœuf. Oh, bien joué de la part de Marsen qui va trouver du monde en retrait. Voilà, c'est fait. C'est mi-ton, mais c'est bien pour nous car le match devient un petit peu plus fou, un peu plus ouvert, et le spectacle qui avait été là les 20 premières minutes est en train de revenir pour les 20 dernières. Du coup, Daniel, vous ne regrettez pas d'être venu au parc? Non, de toute façon, on a vu l'équipe de Laval qui s'accroche bec et ongles, bon, qui a bien joué au football. Mais qui va être en difficulté pour sa fin de saison, il ne reste plus qu'un seul match à domicile, c'est Toulon. Et on va donc changer un joueur. On va changer Lambert. Et on va faire rentrer Lambert, donc milieu de terrain, et faire rentrer un attaquant de pointe, Olivier Pérez. Voilà, sortie de Loïc Lambert. Entrée d'Olivier Pérez avec un S, pas Pérez avec un Z comme celui de PSG. Il n'a joué que 6 fois en première division et c'est quand même assez étonnant parce qu'il a joué 3 fois contre Auxerre car il était rentré dès 86, 2 fois contre Monaco, 1 fois contre Caen et voilà sa 7e apparition en D1. Michel Lemininaire va repositionner son équipe, il est venu en parler avec Sekana. Pendant ce temps-là, les deux gardiens cherchent à garder leur concentration, chacun de leur côté. Alors on marche de long en large pour ne pas se refroidir et puis on cherche surtout à bien rester dans le match, à ne pas avoir son attention attirée par quelque chose d'extérieur. C'est le bœuf qui pendant ce temps-là se fait soigner. Le bœuf qui est une des grandes satisfactions de la saison pour Michel Lemininaire. Fera sans doute pas des débuts victorieux au parc car il reste 15 minutes et le PSG mène 2-0, mais dont on pourra dire qu'il a fait des bons débuts. Loïc Lambert, des problèmes à la cheville, ça justifie cette sortie? Ouais, et puis mon match relativement moyen, je pense que, mais ça me handicap quand même un petit peu. C'est quoi exactement? C'est une entorse à la cheville que je me suis faite à l'occasion du précédent match contre Caen. Et Michel Lemininaire, pendant ce temps, continue à multiplier les consignes offensives. Vous voyez en bas de l'écran là. Voilà. Multiplier les consignes offensives à ses joueurs. Car effectivement, une courte défaite ne servirait à rien à Laval. Laval a besoin de points. Comme Strasbourg, comme Caen et comme le Matra. Les quatre clubs engagés dans une lutte au couteau dont tous ne se sortiront pas, bien sûr. Pressing de PSG un peu plus haut. Et qui fait son œuvre. Car la balle est perdue par la balle. Mi-ton au coup franc. Janol. Bon ballon pour Roseau qui va chercher une tête au deuxième poteau et qui trouve les mains de Joël Batz. Voilà Joël Batz qui est si déçu que dans sa formidable carrière internationale, il n'ait eu
quasiment aucune satisfaction en Coupe d'Europe. Éliminé au premier tour avec Sochaux, avec Auxerre et avec PSG. Alors peut-être la saison prochaine. Suzic. Suzic encore. Oh, balle à droite à Zverev qui va revenir, qui va frapper du gauche. Balle contrée. De la main, dit Zverev. Zverev qui sans doute en début de match aurait emmené son ballon beaucoup plus vite sur la droite et aurait vraisemblablement marqué. Mais il fait tellement d'efforts dans une rencontre qu'il a manqué un peu de spontanéité. Et Laval à l'attaque de nouveau. Sen. Et il y a de l'espace maintenant car du côté de Laval on prend tous les risques. Calderon. Suzic. Il revient car ses coéquipiers étaient hors jeu et qui perd le ballon face à Sekana. S'ils prennent un but, ils vont être contents, Evic. Oman Bic et bonne interception de Janol. Oman Bic qui n'aura pas réussi grand chose. Calderon. Suzic. Ah, qui a attendu avant de la remettre pour que ce soit exactement au bon moment. Et qui va retourner chercher le ballon. Voilà, c'est fait. Et maintenant, il peut trouver Janol peut-être, ou Pérez. Pérez, remise au centre sur Janol, et Zverev, et c'est au bas. Pérez, au bas. Oman Bic, qui est arrivé en même temps que Koundé. Koundé, encore plus décevant qu'Oman Bic, qui n'est déjà plus là. Et voilà, Madby, capable de coup d'éclat, peut-être pas sur cette fois-ci. Miton. Hors jeu de ces cas-là. Jean-Marc Miton, qui est assez formidable. Il était donc, pour la première fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, remplaçant de cette équipe. Et bien, il a passé le dernier quart d'heure avant le début du match a parlé à Obama, a essayé de le conseiller, de le situer pour son placement face à Zverev. Il n'y a pas de joueurs sur la pelouse, Daniel, qui seront strasbourgeois la saison prochaine? Non, je ne crois pas. Vous êtes sûr? Non, pour le moment, non. On n'a pas contacté de joueurs de Laval et de Saint-Germain non plus. Pouliken qui a... Mais il y a un joueur que j'aimerais bien avoir par contre, c'est Duval. Et oui, et on n'est pas sûr qu'il restera au PSG. Suzic. Suzic, Calderon, Zverev, Pérez, les quatre sont en attaque. Suzic seul qui trouve Calderon qui n'est pas en jeu. Calderon face à Rousseau et bonne sortie de Rousseau. Alors que le but paraissait ouvert au Paris Saint-Germain. Beaucoup d'occasions quand même pas à Saint-Germain. Au moins on a des occasions de but, on ne s'ennuie plus dans la fin de match. Minutes de jeu et une balle pour Zverev qui a Suzic à sa droite mais qui va aller tout seul jusqu'au but. Non, il a cherché Suzic, interception de Leboeuf, mais Zverev toujours là. Il y a du monde au deuxième poteau. Ah, feinte de Suzic pour Calderon, mais Miton était en embuscade. Miton, c'est sa 11e année à Laval. Il avait fort bien flairé le coup. Fatigue d'un peu tout le monde en fin de match, fatigue de la saison, fatigue du match qui a été joué sur un rythme assez alert. Pouliken, Roseau qui pioche pour revenir à sa hauteur. Pilorget, Janol, ça fonctionne bien. Sen, et quand on trouve Pérez, puis Suzic, c'est le jeu de PSG. Zverev était hors jeu et sa fête Suzic n'est pas content qu'on ait fait une faute sur lui. Chercher le coupable, mais il l'a pas trouvé car le coupable était reparti très très vite. Roseau. Ce sera long pour Oman Bic, très long.
J'aime bien partir de loin, j'aime bien profiter de mon aptitude à la course, dit Oman Beek, mais cette balle-là était trop longue. Voilà en tous les cas un joueur qui aime bien aussi partir de loin, c'est Simba, qui va rentrer en même temps. Simba à la place de Xuerep, ça c'est un scénario connu du côté de PSG, et Polagnoc à la place de Susik. Ça veut dire qu'on ménage les deux hommes de pointe de PSG. Est-ce que ça fait de Susik qui est mécontent de sortir ou non? Il ne dit rien. Il est reparti sur le banc. Voilà, il est caché derrière Guy Adam. Brisson n'était pas content de la faute qu'il estimait avoir été commise sur lui par Simba. Et Pouliken ne sera pas content de ce ballon. Ah, Xuerev et Susik, tous les deux sur le banc. Oman Beek, Pilanget peut être en difficulté. Et non. Pérez arrive trop tard. C'est Janol. C'est Kana qui aura touché beaucoup de ballons dans ce match. Oman Beek avec Janol et une nouvelle fois victoire de Janol. Victoire, métier. Xuerev économisé par Tomislav Ivic pour les prochaines rencontres. Un déplacement à Lens, puis la réception de Metz. Besoin absolu de prendre 6 points en espérant un gros faux pas de Marseille. Et du côté de Strasbourg, bon, on ne doit pas être mécontent du résultat. Non, c'est... C'est la vie, quoi, d'être mécontent des défaites des autres. Hein. Cela étant, je dois dire que Laval est une équipe vraiment sympathique. Et oui, mais il faudra tout de même deux équipes en deuxième division et un barragiste. Quoi. Qui sait, peut-être pas. Ah bon, il peut encore y avoir des changements, non, pas comme ça. Personnellement, je ne vois pas le Racing Club de France risquer un centime. Je connais bien le Racing, j'ai été Racingman pendant près de 15 ans. Peut-être même plus, et je vois pas le conseil d'administration du Racing risquer un centime. Simba qui va marquer. Simba, superbe Simba, amorti de la poitrine. Un joueur qui est totalement sous-évalué cette saison parce qu'il ne joue pas beaucoup. Simba qui vient de réussir un but magnifique. Amara Simba, regardez, sur ce centre de Pérez. Il va intervenir amorti de la poitrine face à Miton. Et à bout de course, une frappe en force au-dessus de Rousseau. On va le revoir sous cet angle. Car vraiment, but magnifique de Simba. Centre de Pérez, poitrine. Ça, c'est un travail d'attaquant. Frappe. Ça, c'est un travail d'attaquant aussi. Il n'a marqué qu'en Coupe de France cette saison. Bon, regardez de là. Vous êtes à la place de Rousseau. Regardez comme ça vient vite et fort. Ouf, rien à faire. Il a marqué en Coupe de France à Orléans. Sur passe de Janol. Zverev doit être content, Thierry. Alex Zverev, ça vous fait plaisir que quelqu'un qui rentre à votre place marque ce but? Il est beau ce but. Ah oui, ça me fait très plaisir parce que Simba devait se racheter déjà de Marseille. Et le fait qu'il marque ce but nous donne un meilleur goal à virage. Et c'est, je pense que ça va être important en fin de saison. Et ça va peut-être aussi améliorer la note du match que vous pouvez donner sur Minitel. Entre Marseille et au goal average, il y a une différence de, qui me semble-t-il, est de 3. Je vais vérifier exactement. Donc Marseille plus 20, PSG plus 16, qui là revient donc à plus 19. Il y a une différence de 1. Mais comme on sait que si le championnat de se jouer à la différence de but, c'est que Marseille aura au moins fait un match nul et pas gagné, c'est donc que PSG pour le moment est vraiment à un but de Marseille. À la différence de but. Et en ce qui concerne Laval,
Laval qui était à moins 11, c'est passé à moins 14 et Strasbourg n'était qu'à moins 12. Donc c'est bonne affaire et Strasbourg avec un point de plus, de plus. Et oui, vous avez entendu Zverev dire Simba, ça va le consoler ou bien ça va le racheter de Marseille. Souvenez-vous, à 3 minutes de la fin, occasion de Simba, sortie de Gaëtan Huard. Et quelques secondes plus tard, disons 3 minutes plus tard, but de Sauzet. La face du championnat en était changée. Laval qui continue, mais qui sait maintenant que l'affaire est réglée. Malgré les efforts de Sekana. Simba va être très très content. Il lui reste encore 2 années de contrat au PSG, mais il doit voir le président Francis Borrelli, car... À 3-0, il souffre encore, Zeljkovic. Hein. Mais, oui. Mais cela dit, il a peut-être la grippe, ou il n'est peut-être pas bien non plus. Hein. Roseau, balle pour Joël Batz, bien au milieu. Mais du coup, nous ici, on a l'impression quand même d'avoir passé un bon moment de football. Hein. Quand il y a 3 buts de Marty et autant d'occasions, c'est un bon match. On en a vu des pires. Laval a bien joué le coup. Laval s'est exposé. Laval a pris des risques parce que Laval a besoin de points. Laval a besoin de victoires qui valent 3 points. Le conseil d'administration de la Ligue a décidé ce matin de poursuivre cette expérience de la victoire à 3 points. En revanche, une modification dans le règlement, c'est que la suspension automatique n'interviendra qu'après le 3e avertissement. Alors que maintenant, elle intervient après le 2e avertissement. Autre décision, les clubs pro de D1 pourront utiliser 21 joueurs au lieu de 20 et les clubs de D2 16 au lieu de 15. Faute de Leboeuf sur l'ancien Lavallois, mais ils ne se sont pas connus à Laval car Seine est parti depuis très longtemps maintenant. Dernière minute, 3-0 pour PSG. Un nouveau but et ce serait l'égalité parfaite à la différence de but. Peut-être par Polagnoc. Non, intervention de Rousseau. Et une faute sur Pérez. À l'Olympique de Marseille est placé devant ses responsabilités demain à Toulon. Nul à Toulon et les deux équipes seraient à égalité avec seulement un but d'écart à la différence de but. Simba en gros plan qui a joué 3 ans à Versailles. Roseau qui met en accusation la pelouse du parc sur cette mauvaise passe. N'a pas eu raison de Pouliquen. Roman Big dans la surface, frappe contrée par Pilorget. Sekana frappe dans les mains de Joël Batz. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, Daniel, le Racing n'a sans doute pas l'intention d'investir effectivement des millions dans le football pro, mais le Racing serait sur le point, dit-on, d'avoir trouvé des partenaires qui investiraient beaucoup dans une nouvelle équipe du Racing.
Il faudra beaucoup, beaucoup, parce que le calcul que j'ai fait, c'est que pour partir, il faut savoir que compte tenu de la non-subvention, c'est près de 80 millions de francs qu'il faut perdre cette année. Alors c'est beaucoup. En tous les cas, pour le PSG, c'est gagné ce soir. 3-0 face à Laval. Grosse déception pour Michel Millinaire, mais satisfaction pour Pérez. Christian Pérez, satisfait du résultat au-delà du score qui est quand même assez large? Oui, tout à fait. Pour nous, c'était essentiel de ramener 3 points de ce match. On savait bien avant le match que c'était difficile. Mais enfin, je crois qu'on a fait l'essentiel. En plus, on a marqué 3 buts, donc c'est formidable. C'était important cette rencontre après la désillusion de Marseille? Oui, tout à fait. Il fallait se remettre en question. Bon, quand vous prenez un but aussi difficile à digérer, c'est dans la tête, c'est mauvais. Et je crois que là, tout est oublié. Et maintenant, on est parti pour gagner nos 2 derniers matchs, j'espère. Voilà, effectivement, il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de sérénité chez Christian Pérez. Donc, les buts des buteurs, vous commencez à connaître cette affaire. Qui a marqué en deuxième mi-temps? Simba, c'était son premier but, donc on ne va pas vous remontrer ses buts de la saison. En revanche, ça fait de Suzic. Oh, on va suivre un petit peu les Lavallois avant de voir les buts de Suzic. Brisson. Bon, Charlie, au revoir. Je vous laisse finir vos commentaires. D'accord. Et puis, bon voyage pour Lille demain. Et on se reverra. Merci. On se reverra en DA, on espère. Voilà, Daniel Echter. Alors qu'on est là, on est dans les vestiaires de PSG. On voit Sanjak avec son blouson. Il cite Calderon. Francis Borrelli est là. Demain. Tanasi Simba, qui s'est fait tout petit dans son coin. Attention. Comme d'habitude, donc, qu'est-ce qui se passe? Allez! Joe, venez, Joe! Francis Borrelli qui réclame Joe pour le Joe. Cri de victoire. Le coach, oui, le coach. Allez, les gars, pour PSG, bim bim! Bim bim! Bim bim! Bravo, les enfants! On va le voir, Francis Borrelli, il est à droite. Voilà, je suis sûr, je l'entendais. Oui, non, il va pas vouloir parler, regardez! Il va pas vouloir parler, Thierry Dujon. C'est pas que Francis Borrelli dit toujours non la première fois. Il faudra revenir, Thierry, tout à l'heure. Car il dira oui après. Safet Suzic. On voit les buts de Safet Suzic alors. Ou bien Safet Suzic parle à Thierry. Comme tu veux, Thierry. Mais tu fais quelque chose. Voilà, Safet Suzic. Après son 6e but, on revoit son 7e but. On voit le premier. C'était face à Metz. Zvereb. Calderon. Suzic, le voilà. Une longue frappe. Lucarne, Rodolphe est battu. Face à Cannes, Zvereb, Suzic, qui emmène son ballon tout seul. Amitrano est battu. Contre Auxerre, au Parc, ça avait été un match merveilleux. Centre de Pérez, amorti de Zvereb et Suzic qui surgit. C'était son 3e but de la saison et face à Martini. Contre Toulouse, servi par Calderon, pas mal de chance d'abord. Et c'était son 4e but. À Laval, eh oui, Pascal Rousseau doit bien lui réussir. On retrouve toujours les mêmes, hein. Calderon, Pérez, Suzic. Oh, le ballon qui traîne, et c'est Suzic qui est le premier au deuxième poteau. Il en manque un, c'est à Sochaux, vous l'aviez vécu en direct sur Canal+. Montée de Marcel, Suzic a bien appelé le ballon, extérieur du pied. Quant au dernier, il s'écarte du marquage de Pouliken, il croise du pied gauche et Rousseau est battu. C'est le 7e but de la saison pour Safet Suzic. Safet Suzic, personnellement, satisfait de votre match à vous? Je ne sais pas. Peut-être deuxième mi-temps, c'était pas mal. Premier mi-temps, assez mauvais, je pense. Et en plus, j'avais 3-4 occasions, j'ai marqué qu'un but. Je vais marquer encore au moins un but. Confiant pour le titre de champion de France? Oui, parce que Marseille, ils ont un très difficile match demain soir. J'espère qu'ils ne vont pas gagner. Si on veut être champion, on doit gagner encore 2 matchs qui nous restent. J'espère, je pense qu'on est capable. Voilà, ça fait de Suzic avec lucidité. Marseille a un match difficile demain, c'est vrai. Mais Marseille a les moyens de gagner ses 3 derniers matchs et d'être champion. Simba, en tous les cas, là, a marqué un fort joli but.
Et dans les vestiaires de Laval, Miton qui est depuis 11 années à Laval, eh bien, est aussi déçu que Aubame, que Brisson qui a connu bien des clubs de première division, ou que Rezeau. On enchaîne avec la caméra isolée et le Bœuf pour son premier voyage au parc. On repart avec une défaite relativement lourde. Caméra isolée, Philippe Doucet a choisi Pérez, qu'on a effectivement beaucoup vu. Qui semble ne jamais s'arrêter, vous voyez. Ici, il n'a pas marché, il est revenu en interception sur le dégagement de Rousseau. Et immédiatement, il redemande le ballon. Il ne l'a pas. Son placement en interception, voilà. Et son démarrage sur 5 mètres est toujours extrêmement vite. Là, pour le moment, il est placé. Il guette. Ce sera pour lui. Oui, Rochet, il va redonner une balle en retrait à Safet Suzik, qui tire à côté. Déception, mais pas de geste de reproche. À Safet Suzik, on ne fait pas de reproche. Choc entre le Bœuf et Xureb. Vous voyez, pas d'agressivité, bonne complicité, très saine entre les deux joueurs. C'est là, c'est le genou. Ouais, Monsieur Delmer qui arrête le jeu. Zvereb et son ange gardien, Aubame. Aubame qui aura eu pas mal de difficultés, en début de match surtout, qui après s'en est beaucoup mieux sorti. Xvereb surtout qui multiplie les appels de balles généralement latéraux. Là, il remet la balle sur son pied gauche. Et le Bœuf est venu contrer de la main d'Xvereb. On n'a pas, on peut toujours pas tranché. Calderon est avec Thierry. Gabriel, satisfait de cette rencontre et d'avoir marqué, c'était important. Oui, les trois buts, c'était important pour nous, pour le but à Bélage, avec Marseille. Parce que Marseille, on espère que de les trois matchs, il va faire un match nul minimum. Et comme ça, on peut avoir la même avantage de but, au plus que Marseille. Alors la question Minitel vous est destinée ce soir, c'est Monsieur Perrier de Paris qui gagne. Vous disputerez théoriquement avec l'Argentine la Copa América. Est-ce que ça va tomber au moment de la reprise du championnat de France? Est-ce que votre club va vous autoriser à la disputer? Oui, si on joue la finale de la Copa América, c'est vrai, j'ai raté le premier match du championnat et j'ai eu l'autorisation du président. Si est-ce qu'on joue la finale, je peux rater le premier match du championnat. Voilà, effectivement, avec un joueur comme Gabriel Calderon, on donne quand même quelques autorisations, tant il se dépense pour le club. Les stats. Paris SG en deuxième mi-temps, 13 attaques. Et regardez comme Suzik au centre est venu s'y mêler beaucoup plus souvent qu'en première mi-temps. Du côté de Laval, 9 attaques. On a beaucoup essayé, notamment à droite, du côté de Rezeau, plus que du côté d'Omanbik. 10 tirs du PSG en tout, et Suzik a beaucoup essayé, c'est pour ça qu'il vous expliquait qu'il aurait dû marquer plus d'un but. Du côté de Laval, 10 tirs aussi, mais 3 cadrés et des occasions quand même pour Laval, mais qui n'ont pas mis en valeur Joël Batz. Possession du ballon en deuxième mi-temps, c'est toute petite supériorité pour Laval, beaucoup moins en tous les cas qu'en première mi-temps. Des fautes, 18 en tout. Charbonnier, tiens, qui est largement en tête, mais ça n'avait pas été très très flagrant. Aubame, lui, qui avait ses soucis avec Zvereb. 18, score normal. Suzik en tout, alors. 0 ballon gagné, il n'a toujours pas fait d'interception. 12 ballons perdus, c'est-à-dire qu'il n'en a perdu que 4, deux fois moins quand même en deuxième mi-temps. Il a joué 37 ballons. Effectivement, sa deuxième mi-temps était de meilleure qualité que sa première, mais il n'avait pas besoin de nos chiffres pour le savoir. Lui nous l'a bien expliqué de la même façon. Et toujours, le jeu avec les trois autres attaquants. 27 ballons sur ces 37 ont été joués avec des attaquants. Suzik toujours à la recherche du but et qui pourtant a été obligé. Vous voyez ces deux petits ballons à droite là, souvenez-vous, c'est deux fois deux ballons qu'il a perdu et il a couru pour venir le rechercher et du coup donc il s'est trouvé en position très repliée pour relancer. La note 12,
12 sur 20. De bonnes choses au début, de bonnes choses à la fin, des choses très moyennes au milieu. Et un Pascal Rousseau qui a pris 3 buts. Pascal Rousseau, c'est dramatique pour Laval d'avoir perdu ce soir. Ça risque d'être très dur la fin de saison. Dramatique non, parce que bon, on savait qu'en venant au Paris Saint-Germain, c'était un match très difficile. Et puis bon, beaucoup de gens nous donnaient battus. Bon, c'est sûr que dans notre esprit, on pensait faire quelque chose. Maintenant, bon, il nous reste 2 matchs, un domicile et un à l'extérieur. On reçoit Toulon, on va à Lille. Il est certain qu'il va falloir vraiment cravacher très très dur. Mais je crois que ce soir, malheureusement, c'est la physionomie de notre saison. C'est-à-dire qu'on a quand même, bon, on a pris un but d'entrée, mais après on a bien tenu le coup, on s'est créé quelques occasions. Malheureusement, ben, le sort n'est pas trop avec nous, on frappe la barre, on tire à côté. Et puis ben, on fait toujours des petites erreurs d'inattention et on encaisse des buts après. Vous personnellement, un petit peu contrairement à la logique, vous y croyez Lille et Toulon? Ah bah oui, si j'y croyais pas, ça serait absolument pas la peine de continuer. Mais il faut, vous savez, dans la situation où on est, il faut voir match après match. Donc là, on sait qu'il nous reste 2 matchs, on va les jouer à fond. Et puis on verra bien ce qui va se passer. De toute façon, il est hors de question qu'on abdique. Mais c'est vrai qu'à chaud, comme ça, après un match où on vient de prendre 3-0, c'est toujours un petit peu, on accuse toujours un petit peu le coup. Mais bon, bah, à nous d'analyser nos erreurs et puis d'essayer de repartir. Déjà pour le match de Toulon, il nous faut impérativement les 3 points. De toute façon, maintenant, c'est le prochain match, c'est 3 points où ce sera vraiment là la catastrophe. Et si on regardait la finale de la Coupe de Yougoslavie, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a eu beaucoup de buts en finale de la Coupe de Yougoslavie. Et Christophe Roux va nous raconter ça tout de suite. Les partisans de Belgrade à l'attaque dans cette finale de la Coupe de Yougoslavie. Et pénalty sifflé ici pour cette faute sur le numéro 10 des partisans, Votri. Transformé par Mnorovic et les joueurs de la capitale ouvrent le score devant Vélez. Les partisans qui vont rapidement doubler leur avantage, débordement de Milojevic et centre pour la tête de Sepovic. Petranovic est battu une nouvelle fois. 2-0, c'est le score à la mi-temps. Votri écarte bien sur l'aile gauche pour Vucicevic. Centre au deuxième poteau, Milojevic est bien démarqué, 3-0. Les espoirs de Mostar s'évanouissent avec ce troisième but et ça n'est pas terminé. Nouveau centre de Vucicevic pour la tête de Votri, 4-0. L'addition de plus en plus sévère. Milojevic encore sur l'aile droite. Les partisans qui dominent cette rencontre. Centre entré pour Vermezovic, 5-0. Vélez qui sauve l'honneur dans cette finale par touché, mais 5-1 quand même. Et c'est pas terminé pour les partisans de Belgrade qui vont inscrire un sixième but. Centre tendu de Brnovic et but de Votri. Les partisans de Belgrade remportent la Coupe de Yougoslavie en battant Vélez Mostar 6-1 pour le plus grand plaisir de leur président, l'ancien gardien de but de Saint-Etienne, Ivan Turković. Eh oui, Kurkovic, tout heureux d'avoir une équipe qui passe 6 buts en finale. Alors là, on revoit un ballon qui est passé devant Joël Batz et que Sekana n'a pas réussi à reprendre. En Coupe de France, je ne crois pas qu'on aura une finale 6-1. On sait en tous les cas une chose, c'est qu'il y aura de très très belles demi-finales sur TF1 et sur Canal+, je crois pouvoir vous dire. Les rendez-vous. Je regarde si Thierry est pas dans les vestiaires. Il nous reste 3 minutes. Alors les rendez-vous de la semaine, parce qu'on a encore et du week-end, on a encore beaucoup, beaucoup de sport à venir. Alors Martine Laurent nous a préparé un petit digest dimanche. Demi-finale du championnat de France de rugby. Thierry Gilardi, Francis Delterral vous feront vivre Narbonne-Toulon à partir de 15h. Pierre Sled et Gilbert Roy seront ensuite au Grand Prix d'Italie pour vous faire vivre le Grand Prix 500 de la moto et peut-être l'arrivée de la 250. Lundi, à partir de 19h30, vous savez, jubilé à Alain Giresse, formidable fête pour le football français. À partir de 19h30, des documents sur Alain Giresse et puis une très grande fête avec un très beau match pour le jubilé de Alain. Ensuite, de la boxe avec 2 championnats du monde. Et je vous dis tout de suite qu'il y a un championnat du monde de Marc Broland face à Pineda. Et un championnat du monde des légers de Whittaker face à Lomélie. Vous verrez un des plus beaux KO de l'histoire de la boxe. Et basket pour finir en première diff. New York, les Knicks de New York contre Philadelphie. Georges Eddy sera là-bas.
Et ça, c'était une image de Jérôme que je n'ai pas reconnue du tout. Il est l'heure. Ah oui, il est l'heure. Il est l'heure. Alors, PSG a battu Laval 3-0. PSG a repris la première place du championnat. Mais Marseille joue demain à Toulon. Laval est en difficulté. Mais demain, tout soir, à l'issue de la journée, on en saura beaucoup plus. Et il restera derrière deux journées entières de championnat. On était au parc. C'était Jérôme Revon avec les moyens de VCF. Alain Tissier l'assistait. Et il y avait Thierry Dujon et Daniel Echter qui est reparti voir son équipe de Lille avec toute l'équipe de Canal pour vous faire passer cette nouvelle soirée de foot. Et on enchaîne sur Canal avec des infos et un film, bien sûr. Bonne nuit.